Cette musique est juste énorme. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la troisième édition du duel. Regardez qui j'ai avec moi. Deux hurluberlus. Aujourd'hui, deux hommes possédés. Ils sont très, 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 très en forme. Effectivement, à ma gauche, Bob, comment tu vas ? Je suis serein, détendu. C'est vrai, tu m'as dit que j'étais détente. J'ai passé trois jours de vacances, ça ne m'était pas arrivé depuis des années, si tu veux. Là, Mais voilà, mais on m'a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu sois énervé, il faut que tu détestes Benza. Voilà, il y aura de la bagarre. Un max, hein. Pas, pas besoin physiquement, effectivement. On arrivera peut-être... En mode Will Smith, tu sais, j'approche, tu ralentis comme ça, tu vois, peut-être pas jusque-là, je pense. Ça, direct. Ça ira, il a l'air très détendu aussi, puisqu'il est en chemise, qu'il a volé à Carlos. C'est notre ami. Effectivement. La coupe de Steven Seagal, la chemise de Carlos. C'est vrai que t'es en détente. Comment tu vas, Benzaï? Bah écoute, elle est cool. Franchement, je bosse sur mes petits trucs. L'été est quand même chargé avec la Japan Expo, tout ça. Là, j'ai des grosses vidéos. Je reviens du Hellfest aussi. Hein, donc oui, je suis, oh là 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 là. Un Hellfest qui a été covidé pour la grosse majorité des gens. J'ai l'impression que c'était le Clusterfest. Un petit peu. On salue Seb Dugrenier hein, qui nous a quittés malheureusement. L'embrasse. Franchement, j'étais à côté de lui quand on a vu Metallica et franchement, je sais qu'il est parti heureux. Donc, Est-ce que tu étais dans la semaine de Fournaise où c'était littéralement le Hellfest? Alors, j'ai eu de la chance, j'ai fait que le deuxième week-end parce que celle-là, il y avait tous les groupes de petites nanas. Et du coup, moi, je suis un peu une. Voilà, c'est le métal, c'est mes années adolescentes. Du coup, avec Carole Catena, on était là genre, oui, Nightwish, c'est trop bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, on la salue aussi. Mais ouais, non, moi, j'étais deuxième week-end, il faisait moins chaud. La forêt du Muscadet, oula. C'est vraiment un endroit au Hellfest. C'était ma scène préférée. T'es régalé, du coup. Oui, non, c'était vraiment très, très bien. J'ai vu des groupes que je ne pensais jamais voir. Halloween, incroyable. Airborne. T'as vu aux Springs ou pas? Non, du coup, c'était le premier week-end, ça, aux Springs. Ah putain, moi, j'avais trop envie d'aller voir. J'ai pas pu parce que manque de bol, planning, etc. Mais on a la possibilité d'y aller. Donc, je pleurais des larmes de sang parce que Offspring, j'ai vraiment... Non, ça avait l'air dingue. Il y avait vraiment des légendes. Moi, j'ai jamais été très concert, mais les scènes avaient l'air folles, le décor a l'air fou. Là, c'est plus... Évidemment, c'est un festival, quoi. C'est pas un concert. C'est vraiment, tu débattes, tu vois des gens. Dragon Force, ils avaient des bandes d'arcade plus larges que tout ce setup-là qui servaient d'estrade pour faire leur solo. Et derrière, tu avais des images de Skyrim dégueulasses, genre en méga grand et tout, en 4K. Mais on est où là? J'étais genre, what the fuck? Et c'était trop bien, il y avait des flammes partout. Enfin, en termes de scéno, moi j'avais fait le Hellfest en 2007. Bon, ben, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout le même festival. Ah ouais, c'était un truc en mode vieille charrue. Je crois avant, que les gens ont beaucoup kiffé aussi parce que c'était à la reprise, vous le savez, avec le Covid et toutes ces merdes. Là, D'ailleurs, c'est fini. C'est tellement la reprise avec le Covid qu'ils l'ont tous bouffé, tu vois. On partageait ensemble. Mais de toute façon, c'est la première et la dernière fois qu'ils font comme ça 7 jours de festival, ça n'a aucun sens. Au bout du quatrième jour, on était tous rincés. Défoncés. Et il y a des gens, ils sont là, genre, moi je suis là depuis une semaine. C'est des bottes. Surtout que c'est absurde parce qu'on a déjà fait nous des conventions ou autres, et quand tu as des conventions qui dure plus de deux jours, tu fais trois jours, quatre jours, on est buté. Alors que nous, tout ce qu'on fait, c'est juste parler à des gens. Paplards et parler aux paplards. On ne joue pas des solos de fou furieux en hurlant dans des micros pendant huit jours d'affilée. C'est juste dans les trucos, dans les machins, toute la journée, gars, à la fin. Littéralement, sur Airborne, je pense qu'il y a plus de 40 personnes qui sont passées au-dessus de moi, tu vois, que tu portes à bout de bras ou sur la tête et tout. Et franchement, c'est plus un public, c'est un tapis roulant. Je te jure. Mais c'était craqué, mais c'était à faire. Mais là, j'ai pris ma dose pour. Il y a des gens qui disent, tu viens pas au Motocultor, il y a Powerwolf et tout. Et j'adore Powerwolf, je les ai vus en Finlande et tout, mais on se calme. Là, j'ai pris ma dose, je suis un vieux monsieur, je reviendrai pour mes 40 ans. Et voilà. Effectivement, on est d'accord, mais au moins, t'as kiffé. Et ça, c'est le principal. Vous le savez, chaque semaine, non, toutes les deux semaines, dans le duel, un duo s'affronte, effectivement. Pas jusqu'à la mort, on n'en arrive pas là, quand même. On a le cœur sur la main. Hélas. Peut-être. Vous le savez, dans le chat, on va commencer les prédictions. Vous pouvez bête pour gagner des points de chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais aujourd'hui, et aussi pendant un quart d'heure environ, donc on va dire jusqu'à 55, tout de suite, vous allez pouvoir mettre Team Bob ou Team Benzaï pour entrer dans le fameux tirage au sort que vous souhaitez remporter, effectivement, puisque cette semaine, vous allez pouvoir gagner deux places pour la TwitchCon à Dames. Ça va bien. Ça, c'est stylé pour aller vraiment... En plus, c'est à l'étranger, tu vois. Il y a aussi le fait de faire un petit voyage, d'aller bouger ailleurs. Dames, il y a plus dégueulasse comme ville. En termes d'activité, si je puis me permettre, il y a aussi de quoi faire. J'en dis pas plus. Mais voilà, tout est possible. Bip tout. Donc, ça, c'est égal. Il y a la maison d'Anne Frank. Oui, aussi. Vous parlez de ça, bien sûr. Bien sûr, évidemment. On ne parle que de ça. Il y a un musée, Madame Tussaud aussi. Histoire, effectivement. Madame Tussaud. À ma gauche, si vous êtes Team Bob
Eh bien, je crois que tu as ramené quelque chose, Bob. Ah, pour les gens qui rentrent, Team Bob. Tout d'abord, j'ai ramené mes lunettes parce que. Qui est magnifique. Oui. Ensuite, j'ai ramené ce mug qui ne m'appartient pas, qui appartient. Le tricheur. À Prime Video, c'est pour ça. J'ai ramené, évidemment. Alors. Un exemplaire collector de la forteresse du Chauroi. Merci. Exactement. Celui-ci est un peu spécial puisqu'il a été laminé. Mal imprimé. Avec... Non, mais il a été. Ouais, déjà, il a été laminé avec du doré un peu différent, c'est-à-dire dans le sens où il est très pailleté. Genre, ah ouais, mais j'avoue, il a l'air plus shiny que celui que j'ai. Là, c'est, ça, c'est du collector. Il est shiny. Il est techniquement plus shiny, tu vois. C'est mais d'accord, il est très. Pikachu est plus doré, tu vois. Ah ouais, ouais, non. Bien évidemment, le livre est un livre d'aventure dont vous êtes. Billy. Merci. Tu peux le dire, pas moi, tu vois, j'ai pas le droit, c'est pour ça. Le jeune héros, c'est son agent. Exactement. Donc, c'est un livre à choix multiples, une aventure absolument folle que vous pouvez profiter vous-même, petits et grands. Et enfin, pour les petits et grands, une hache remasterisée collector. Tu t'es pas foutu de leur gueule. Voilà, c'est pour ça. En mousse, repeinte avec, bien sûr, tout ce qu'il faut de finition absolument qualitative. Et ça, c'est la meilleure que je possède. Voilà, c'est, et en plus, t'es en train de la manier et ça, c'est encore plus beau. Et regarde, fait le test, on fait le test. Attention. Hop. Zéro dégâts, voilà. Les cheveux repoussent demain, je pense. Merci pour ça. C'est comme dans DBZ, t'as Krillin, il a des trous à un moment et ça fait des cheveux. On va remporter cette hache, mais si, et seulement si, vous marquez Team Bob dans le chat. Absolument. Effectivement. Ah, voilà, c'est vrai que ce que je voulais démontrer, c'est qu'elle est en mousse. C'est vrai. Et j'ai déjà vu. Vous pouvez prendre l'avion c'est avec. C'est de la mousse dure, tu vois. C'est oui, pas voilà, c'est du, bon. De la. Mais j'ai déjà vu des enfants se mettre des quilles avec et ils vont très bien. Des patates, effectivement, ça marche. Il y a des petits frères qui vont perdre un œil, mais. Ouais. Pour la bonne cause. Il va briser des familles, mais bon, c'est pas. Eux, ça a bien se passé. C'est pas très grave. Et si vous êtes beaucoup plus côté Steven Seagal, comme on l'a dit tout à l'heure, la Team Benzaï dans le chat, qui je vois beaucoup hein, de Team Benzaï, ça bombarde dans le chat. Ah là là. Dépêchez-vous, vous avez qu'à alors, jusqu'à 55. Il propose des cours d'aïkido. D'aïkido lui-même. Il propose un cours d'aïkido à peu près aussi bien que Steven Seagal lui-même. Hein, c'est-à-dire, vous savez, il a toujours dit que c'était lui qui était le premier gars qui avait fondé un dojo au Japon, etc. Mais en fait, c'est pas vrai, c'était le dojo en fait de son beau-père, hein, c'est tout. Le scam absolu, quoi. Mais comme c'était une époque pré-internet, c'est encore. Ah oui, ah non, mais tu pouvais rien chercher, c'est ça. Pas vérifiable. Mais tu feras une démo, tu te tiendras debout, je te chargerai, je ferai une roulade. Je bougerai mon doigt comme ça. Du coup, si vous êtes team Benzaï n'est pas venu, les mains libres aussi, les mains vides, pardon. Alors, je n'ai pas. Toi, t'as du merch, toi. J'ai pas un joujou en mousse, mais par contre, j'ai du prototype, d'ailleurs, qui ne sera peut-être pas réédité en ce qui concerne ce sac Hard Corner. Justement, là, on parlait du Hellfest, hein, il y avait un peu c'est de métal dans les voilà, c'est les ambiances Hellfest. Mais du coup, dedans, il y a un t-shirt aussi avec le même. Donc, on passe à un big up. Je suis gros fan du logo, ouais. D'ailleurs. Hein, c'est très Iron Maiden, j'adore. Exactement. Hein, c'est du coup, c'est Chromaware qui a fait le truc et il est stylé. Donc là, c'est un L, mais s'il y a vraiment un problème, moi, je peux après m'arranger pour envoyer. Plutôt un XL, un double XL, ce que vous voulez. Donc ça, c'est du proto, tu l'as dit. Alors, c'est du proto, c'est pas encore en vente libre. De toute façon, le sac, lui, n'existera jamais en vente libre. Donc, lui, il est méga collector. Et là, vous avez en avance, en plus, la primeur. Parce qu'il n'y a que ma team sûre qui avait le t-shirt au Hellfest. Hein. Il était là en mode inception. Et du coup, il y a la petite cassette. Il vient avec des vrais goodies en prime, tu sais, qui ne seront jamais exclusifs et tout. Ouais, moi, c'est des trucs hein, qui ont déjà été vus, machin. Ils ont juste avec un coup de peinture, plus shiny, tu vois. Yeah, quoi qu'il arrive, non, franchement, c'est juste magnifique ce que vous offrez à la commune. Encore une fois, vous savez, des professionnels, hein. C'est le principe du duel. Les gens viennent avec quelque chose de personnel et vous pouvez repartir avec. Si vous votez bien, évidemment, dans le chat, je vais votez pas bien, votez bien. Fois. Ici, vous votez pour une escroquerie sérieuse. très, très sérieuse. Alors, avant qu'on commence, je l'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est la bagarre. Il y a deux semaines, on avait Ponce et Rive, c'était littéralement opposé. On était plus sur des fleurs, de l'amour, du Nintendo, effectivement. D'où mon cosplay. Qui est totalement legit aujourd'hui. Pourquoi la bagarre, d'ailleurs? Moi, j'ai envie de me tourner vers vous. Ça fait déjà longtemps que vous connaissez Benzaï Bob. J'imagine que vous avez fait les 400 couilles, comme on dit chez moi, ensemble. On s'est rencontrés au TGS en 2011, si je dis pas de conneries. Oui, ou en 2011, c'est pour ça. D'années, là. Et en fait, petite histoire, si j'ai le droit, parce que c'est mignon, parce que ça prouve que, voilà, dans le YouTube, c'était quand même. C'est vachement pur à l'époque, tu vois, dans le sens où j'allais dans le sous-sol du TGS, j'étais pas très connu, j'avais mis la veste rouge exprès parce que je savais que c'était mon skin voilà, de Minecraft, et donc les gamins allaient me reconnaître grâce à ça, et la voix, mais vu qu'ils connaissaient pas ma tronche, tu vois. Et il y a Fred et Seb du Grenier qui étaient en train de dédicacer au sol. Moi, je suis putain, je suis fan et tout. Bah, comme j'avais le badge, je passe devant comme un salaud, si tu veux. Et fait, mais toi aussi. Et puis, il y a plein de gamins qui veulent te dédicacer aussi. Bah, tiens, assieds-toi à côté de nous. Genre, on te fait une place et puis on dédicace tous ensemble. Bon, je récupérais environ un tiers de leur queue qui, eux, me connaissaient aussi. Et donc, je bourrais les dédicaces toute la journée. On a fait 8 heures comme ça c'est ou autre. Trop bien. Et 2 heures plus tard,
arrive out of nowhere, Banzai, that wow. guy with the glasses, que moi je connaissais de ouf, avec le partenariat Nostalgia Critique de l'époque, si tu veux. C'est-à-dire, je connaissais ces chaînes américaines, anglaises et tout ça. Ouais. Et j'étais, attends, mais c'est Banzai et tout. Et ouais, bah bonjour, ça me connaît, ça fait plaisir. Puis lui, il connaissait Fred Essay, bossait Fred Essay. Ouais. Ah, tu connais lui aussi, il bosse. Bah, c'est, lui aussi, c'est un saltimbanque. Bah tiens, assez toi aussi. Et du coup, voilà, on avait tout. Il vient pour prendre ses cachets. Les intermittents du spectacle. Ça n'existait pas à l'époque. Et du coup, il y a eu tout le trickle-down économique. Là, on a eu la théorie du ruissellement avec les fans qui demandent des dédicaces de tout le monde, si tu veux, parce qu'ils reconnaissaient. Et puis, vous êtes tous bien trouvés parce que vous êtes dans les mêmes ambiances aussi. Ouais. C'est vraiment une vraie rencontre. Ouais, ben, une des premières personnes que j'ai croisées en convention qui m'a parlé de mes vidéos anglaises. Jim Power. Alors qu'il était intégré. Et du coup, on partage un de nos jeux du cœur qui est Jim Power, que personne ne connaît, bien sûr. Oui, mais on n'est pas d'accord sur le système. Ouais, non, voilà, on n'est pas d'accord sur quel PC il est. Donc on a une raison pour laquelle se battre, tu vois. Effectivement, ce soir, on se battra pour ça, je pense, ce soir. Éternel là-dessus, quoi. Mais effectivement, c'était une. Et la bagarre, du coup, parce que bah, vous aimez la bagarre, juste ça a envie de se foutre sur la gueule. Oui, c'est les ambiances, les jeux versus. Les films de Jean-Claude Van Damme. Je ne suis pas venu pour gagner, mais pour humilier. Pour humilier ton adversaire. Alors on verra, parce que quand je t'ai donné un peu le menu, t'avais pas l'air hyper. Ah non, je transpirais. Je pense que je suis favori. En plus, je suis en mode vacances, je vais me faire déglinguer, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on donnera ce matos, bien évidemment, à des gens au pif. On n'est pas sans cœur. On a le cœur sur la main, on le rappelle, c'est très important ce soir. Et on va commencer tout de suite avec la manche 1. Si lourd, c'est jingle. Allez, jingle. La musique, vraiment. Jingle, il bouge. Elle te met dans l'ambiance de suite. Le round 1 aujourd'hui, il va s'agir tout simplement, très simplement, d'un quiz. Vous avez des buzzers, test buzzer de suite. C'est super. Oh, magnifique. C'est super. Let's go. Avec les buzzers fonctionnent très bien. Oui. En fait, je vais juste poser des questions. Le thème, évidemment, c'est la bagarre, culture. Bagarre, culture, peut-être film de bagarre, peut-être bagarre IRL, je ne sais pas. Steven Seagal. C'est peut-être une bonne réponse. C'est peut-être la première bonne réponse. Malheureusement, elle est très tôt. La règle, elle est simple. Je pose la question. Vous buzzez. Si vous avez la bonne réponse, vous avez le point. Si par contre, vous buzzez très très vite et que vous n'avez pas la bonne réponse ou vous faites n'importe quoi, le point va à l'adversaire. Oh, putain, c'est pour empêcher les règles sont complexes. Les règles sont très complexes, etc. Et si vous ne savez pas tous les deux, eh bien, vous avez le droit, car nul n'est parfait, comme on dit, dans le milieu. Oh, ça arrive. Jusque-là, tout va bien. Et on a quand même pas mal de questions. Je vous avoue que moi, qui ne m'y connais pas du tout, je lisais, j'étais en mode, ok, j'en ai quelques-unes. Après, ça dépend de quoi on parle, parce que moi, je dose beaucoup, en fait, tous les trucs qui débunkent les faux arts martiaux et tout, McDo Jolai. Le truc, en fait, c'est qu'on est en train de transpirer tous les deux, parce que tout le monde pense, dans le chat, ouais, vous êtes des puits de culture, ça va être incroyable et tout. Non, on a juste des références de gros geeks qui sont terriblement spécifiques. On a joué à Street Fighter parce qu'on était vieux, point. Enfin, parce que le Versus, c'est un truc de vieux, la base, merde. À une époque, les films de Jean-Claude Van Damme étaient stylés. Genre, on les loue. Tu louais la cassette pour un week-end, quoi. C'était ça le truc. À l'époque, on avait le film Mortal Kombat en cassette et on le regardait sans ironie. C'était du plaisir. Ouais, la bande était usée à force de la rembobiner. On n'en pouvait plus. Je vous rappelle qu'il vous reste 3 minutes. Hein, 3 minutes dans le chat, Team Bob ou Team Strenzai. The Movie. Hein. Bien sûr. Qui est un chef-d'œuvre. Ah ben, magnifique. Il y a un Blanca dedans qui est un Blanca. Ah ben, Carlos Blanca. Bien sûr. Voilà, c'est le catastrophe. C'est là où on apprend que Blanca s'appelle Carlos. Oui, t'as fait. Il est brésilien, donc. Mais oui. Dernier rôle d'ailleurs. De rôle Julia de son vivant, hein. Faisait Gomez Adams dans La Famille Adams, et bien il est mort juste après le tournage de. Et en fait, c'est pour ça que. Je pense que le film l'a tué. Sa tenue dans le film, elle paraît vachement rembourrée parce qu'en fait, il avait un cancer déjà. Non et c'est son pour fils, ça qu'il était vachement échangé. C'est ça. Son fils était vachement fan de Street Fighter, donc il a fait ce dernier film alors qu'il n'aurait jamais dû se lever de son lit. Je pense. Et du coup, il est mort peu après. Donc quand tu vois Jean-Claude Van Damme lui faire un flash kick et l'envoyer dans plein d'écrans de télé et il explose. Il voulait en finir plus vite que prévu. C'est là. Tu dis, c'est ça la dernière scène de rôle Julia, c'est voilà, merci. D'un autre côté, t'as Jean-Claude Van Damme qui a fait un flash kick à un cancéreux, tu te dis, waouh, oui, en plus, c'est quoi cette carrière, tu vois. Ils ont attaché C'était une autre époque. Et qui était payé pour ça, voilà, exactement. Et attention, okay, vas-y. On commence tout de suite, on parle de Jean-Claude Van Damme, c'est extraordinaire ce qui se passe, puisque la première question est sur Jean-Claude Van Damme. Préparez-vous. Les mains à plat, je te regarde. Dans quel film Jean-Claude Van Damme montre-t-il son premier grand écart? Je veux dire Kickboxer. Malheureusement, ça va être c'est une mauvaise réponse. Je m'énerve tout de suite. Non, pour le coup, j'ai pas le titre. Kickboxer, 100%. c'est Kickbox. Non, c'était Karaté Tiger. Merci. Karaté Tiger. Tiger ou le Tigre Rouge de Corey Yuen, qui marque également son premier grand rôle au cinéma. T'es mal l'image.
Ah ouais, c'est dans oui, bah exactement. Ah ouais. En fait, t'as joué la méta, je te sors le truc un peu obvious. Bah, le truc apparemment, de base, ah ouais. Ouais, effectivement. Vous savez d'ailleurs que Frank Dux, tu sais, tout Bloodsport est inspiré de Frank Dux, qui aurait fondé le Dux Ryu et qui serait à 190 KO et zéro dans des trucs qui n'ont jamais injouable. Été... Voilà. Et qu'il y a une anecdote comme quoi, à un moment, Jean-Claude Van Damme aurait dit, genre, écoute, tes combats, c'est de la merde et tout. Et il l'a défié apparemment en haut d'un échafaudage avec... C'est une légende ou c'est avéré? Alors, c'est... Selon Dux Ryu, c'est d'accord, vrai. D'accord, ok, ok. Selon Frank Dux, c'est vrai, tu vois. Et en fait, tu te dis, genre, Jean-Claude Van Damme, il était déjà multi-champion de kickboxing. Ouais, hein. Et du coup, il a quand même laissé Frank Dux, qui avait Hollywood au téléphone et tout. Et du coup, dans tous ses bouquins de self-défense, c'était frapper les couilles en premier. C'est pour ça qu'on connaît Jean-Claude Van Damme sur le fait qu'il mettait des patates dans les, ouais, dans les roustons, tu vois. Les roustons, ouais. Et en fait, il a laissé, je pense, Frank Dux le laisser faire des combats parce que ça lui permettait de faire des films. Mais en fait, il a toujours su que Frank Dux était une énorme fraude. Parce que je rappelle que Bloodsport est censé être un documentaire. Une big fraude, mesdames et messieurs. Et t'as raté cette question. Et du coup, mais par contre, le premier grand écart, je l'avais pas. Je l'avais pas. Et c'est pas grave, c'est au profit de Bob. Oui, c'est ce que je disais, hein, un centimètre de déviation. Exactement. On rate la lune, hein, ça va vite. Hein. Attention, question, question. Qui était... Ça peut aller vite, je ne sais pas. Qui était Frank Frazetta? Un dessinateur absolument incroyable qui a fait des dessins de Conan, qui a fait des dessins de Red Sonja, et qui ne pouvait pas peindre et qui détestait peindre des pieds. Tu remarques tous les dessins de Frazetta, les pieds sont plus de choses que sur ma fiche, c'est incroyable. C'est la fraude de base. Et celui-là, je l'ai parce que je suis... Ah, oh, merci. Voilà. Bah, vous voyez, on ne voit pas de pieds. Ah, et y a ça, pas c'est le poster français de Conan le Barbare, d'ailleurs. Et le truc, c'est que... Parce qu'il sait les faire, mais il détestait ça. Et du coup, il le cachait tout le temps pour ça le gaver. Et ça, je le sais, cette anecdote-là, parce que j'ai profondément étudié Frazetta pour la forteresse du chaudron noir, puisque c'est le modèle graphique que je voulais imprimer à ma sœur en lui disant, j'aimerais ce style-là, mais fais-le aussi à ta sauce, parce que je sais que personne ne peut faire. Si tu demandes un Picasso à quelqu'un, quelqu'un ne peut pas faire Picasso. Mais ce que je veux dire, c'est cet univers-là, pour moi, c'est vraiment Frazetta, c'est l'âme pure et simple du Sword and Sorcery. Tu fais pas plus. Quand on dit Sword and Sorcery, tout le monde pense à Golden Axe et à Conan. Non, c'est Frazetta. Ah, mais c'est Golden Axe, c'est du Frazetta qui bouge. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de mystère. Mec, j'en apprends plus qu'avec mes fiches, ça me régale. Effectivement, illustrateur américain rendu célèbre pour l'interprétation de Conan. Et on peut voir des copies bizarres de ses travaux dans à peu près toutes les fêtes foraines de France. Oui. Oui, bah oui, oui. Non, comme tout. Bah, c'est vrai qu'on a des petites. Mais c'est le point de forme aussi. Beaucoup, voilà, mais beaucoup ont tenté de copier Frazetta, aucun n'a réussi. Le mec était un absolu génie. Ouais, et surtout, tu le regardes, tu regardes une photo de Frazetta quand il avait genre 50 piges ou autre. Il a la mâchoire de Popeye, il a des bras, c'est la taille de tes cuisses. Le mec, il était. Tu sais, tu dis un petit dessinateur américain, tu t'attends à ce que, je sais pas, soit un Don Rosa, un Karl Bax, un mec qui fait ses dessins sympathiques et tout. Tu vois que t'es taillé comme nous. Non, non, le mec était une brique. Il était taillé comme. Tu sais, il se regarde dans le miroir pour sculpter les Conan, tu vois, le mec qui est comme ça, tu vois. Il y avait vraiment le physique de ses dessins. C'est absurde, c'est absurde. Effectivement, mec, voilà. C'est une bonne réponse. Du coup, on te donne ce point, bien sûr. On est à 2-0. Il y avait ici des cigares de la taille d'un bras de bébé, ça voulait rien dire. Attention. Là, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Selon Johnny Cadillac, quel est le coup de poing le plus rapide du monde? Ah. Oh le nom, oh le nom. Putain, je l'ai vu la vidéo. Vous l'avez celui-ci. Je l'ai vu. Parce qu'il fait du karaté Shotokan. Ah, bien sûr. La vidéo veut rien dire. Quand il se fait taunter, il dit est-ce que tu veux le portrait en 3D ou je sais, tu veux pas la photo en 3D ou je sais pas quoi là. Tu veux pas prendre une photo en 3D. Là, je l'ai pas du tout, je suis désolé. Moi. Ah, l'avais pas. Tu veux que je te le donne? Je crois que. Non. C'est pas le Wamashigeri, mais ça. Non, c'est s'il a donné. Non, mais ça, c'est un coup de pied, ça. Je crois qu'on a la vidéo. Je crois qu'on a la vidéo, on peut peut-être se la passer. C'est le One Inch Punch, mais ça, c'est Bruce Lee, tu vois. Écoutez bien, écoutez bien la vidéo. Castagné avec un mec. Si le mec, il est comme ça devant toi, toi, tu te mets trois quarts face. Toujours de trois quarts face. Déjà, la surface sur laquelle il peut frapper est beaucoup moindre. Hein, si t'es comme ça, bon, il peut frapper partout. T'as des conseils de Baki. Si t'es comme ça, il peut frapper un baraquette, quoi, c'est fou. Et là, t'as tout ce qu'il faut pour les protéger. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouraken. Ah, je connaissais pas cette vidéo, ça a l'air ouf. Je l'ai pas celle-là. Je l'ai pas du tout. L'ouraken, le coup de poing le plus rapide du monde. Personne n'a eu la bonne réponse. Effectivement. Moi, quand tu me l'as montré, le mec, j'étais là, il a l'air énervé, Johnny. Ah ouais, l'idée, c'est là. Qu'est-ce qui se passe Et surtout, pourquoi il agresse le caméraman là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une démonstration, tout bien, tout honneur. Il explique qu'il se battait à peu près tous les soirs en sortie de bar, voilà, son quotidien. Attention. On avait marre de le voir et tout. Question, cette fois-ci, il faut écouter et vous me dites ce que vous entendez. C'est là. Le Tatsumaki Senpu Kyaku de Ryu et ou de Ken de Street Fighter 2,
la version Super Nintendo. Et c'est plus que ce que j'en demande, encore une fois. Et comme c'est forcément, c'est le Senpu Kyaku. Bien traduit sûr, en français par Hurricane Kick, hein, ouais. Qui est hurlé par Ryu dans le Street Fighter. Ouais, Hurricane Kick. Et en plus, ici, vous avez Ryu. Tu m'as donné exactement la technique qu'il utilise. Bien sûr. C'est deux points. Oh, la rapidité. D'ailleurs, attends, petite référence. Hurricane. Si tu le suis, dans le Street Fighter The Animated Movie, donc le joli bien film Street Fighter et tout, son Tatsumaki Senpu Kyaku qu'il fait face à Fei Long, il lui met dans la bouche, ouais. Après lui avoir pété le bras. Le fait avec les deux pieds. Oui, c'est ça. Ça ressemble plus à l'attaque de. Ouais, ça ressemble plus à l'attaque de Sun dans 3.3 qu'à l'attaque classique. Street, on voit bien. Après, c'est pas non plus la réalité. Il faut regarder la série américaine Street Fighter. Oui. Là, c'est Justin Bros. En fait, ils font des Tatsumaki, ils s'envolent, ils reviennent. Tout à fait classique. C'est Smash Bros. Les mecs sont des Bros avant l'heure. Ce sont des hand-spinners. C'est comme Star Wars, il y a un moment, je sais pas si t'as vu, mais quelqu'un qui a un bâton laser commence à le faire tourner quand incroyable. Ça s'envole. c'est la série dont ils avaient fait les jouets version G.I. Joe Street Fighter. Oui. T'as peut-être déjà vu dans les rayons à l'époque. Et où c'était les World Fighters, parce que c'était littéralement les super-héros qui sauvaient le monde dans Captain Planet. Bonne réponse. Un épisode sur la bande de Gaza, vous avez pas envie de... Non, non plus. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Épisode où Camille sort avec c'est vrai, Blanca se balade à la bande de Gaza et il y a vraiment des Palestiniens et des Israéliens qui lui jettent des pierres et sont tous les deux d'accord sur le fait que Blanca est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Regardez le Hard Corner qui en parle. C'est vrai que je pense que là, tu le vends très bien. Mais il a raison parce que quand je suis allé chez lui, il a vraiment les boîtes de DVD de tous les épisodes. J'ai même des celluloïdes originaux de la série. Hein. Mais est-ce que t'as celle-ci, mon pote? Parce qu'on est à 4-0 et on va parler film thaïlandais de 2003 qui a contribué à repopulariser. The Red. C'est non. Ah non, c'est Hong Bak. Essaye, dis-le, parce qu'on sait jamais. Il a dit. Sauve ton point. Je sauve le point. Parce que Bob est super sympa. Sauve le point. C'est Hong Bak. C'est Hong Bak, repopulariser le Muay Thai dans le monde entier. Hong Bak avec l'acteur. Tu l'as. Tony Jaa, effectivement. Qui a fait un featuring avec Tragedy, il faut quand même le dire. Avec Tragedy. Moi, je reste ghetto. Si un jour tu veux choper un clash, je suis ready. Vous l'avez pas. Malheureusement, c'était pas mes enfants. Il a pas la BO. Il y a la BO, Tragédie. Il y a Hong Bak dans le clip. Clippez ça. Il y a Tony Jaa. Je veux ça pour mon Twitch. Je m'en bats les couilles. Clippez ça. Je te jure, il y a Tony Jaa. Il prend appui sur le torse d'un mec de Tragédie pour faire un saut périlleux arrière. Je te jure qu'il existe ce clip. Pour ça, je suis désolé, Herbie. Donne-lui le point. C'est inacceptable. Juste pour. Merci. Si je me tire. Une anecdote, je donne. Déclare forfait. Je donne un point supplémentaire. C'est deux points. C'est deux points sur tout ça. Il a Tony Jaa. Il a le clip. Il a Tragédie. Il a tout le monde. Même s'il a glissé au début, tu peux pas lui enlever ça. De ces gens qui pensent que 2003 c'était il y a 10 ans et c'est pour ça que j'ai confondu avec The Red. C'est encore un pas après. Attention, on va repartir à l'oral, on est à 4-2, qu'est-ce qu'on entend encore une fois ici? Le jeu sur NES, c'est une mauvaise réponse. Non, c'est pas Kung Fu. Par contre, je pense que c'est Bruce Lee contre Chuck Norris. Ah, c'est Bruce Lee effectivement dans Enter the Dragon. Et du coup, pas contre Bruce. C'est pas le vrai. C'est ces bruits-là qui ont été repris pour le jeu. Je pense. Bien sûr. Digitalisé. Je t'allais dire au niveau du son, tu le sens après. 100% ça. Est-ce que c'est avec Jackie Chan et figurant dans Enter the Dragon? Ah bon. Je l'ai reconnu. Au final, tout se réunit. Je l'ai reconnu parce que justement, il y a une. Je sais comment s'appelait le jeu. C'est Kung Fu, tu sais où t'allais mettre. Kung Fu, bien sûr. En fait, il y avait une vidéo sur Newgrounds. Tanix en japonais. Il y avait une vidéo sur Newgrounds, c'est vieux ou autre. J'en récupère le son. Ça commence à jouer Kung Fu. Tout pourri et autre, et à un moment il dit allez on s'y met sérieusement, la musique d'Enter the Dragon est genre t'as tous les clips justement après c'est vraiment le pur son générique qu'ils ont exactement ça et le jeu vidéo devient mille fois mieux exactement Bruce Lee, c'est pour ça que j'ai craqué, que j'ai dit ça peut arriver, du tout un son après il avait la réponse derrière donc ça valide deux points, on est à 4-3, c'est absolument magnifique. Là je pense que ça peut aller vite par contre, écoute, non c'est pas je pense, c'est sûr que ça va aller vite parce que j'en dis pas plus qui est Frank Dux. Du coup, Frank Dux est la personne dont est adaptée la vie, dont la vie est adaptée dans Bloodsport. Dans Bloodsport, c'est une incroyable réponse. C'est pour ça quand tu m'as dit tout ça tout à l'heure, je me suis dit, il sait pas, mais il y a une question là-dessus. Qui a été le chorégraphe des films de Jean-Claude Van Damme jusqu'à, je pense, le Grand Tournoi. C'est pour ça que même dans le Grand Tournoi, il met des coups de pied dans les roustons. Mais même si rien n'explique, si vous regardez le Grand Tournoi, à un moment, c'est le Mongol, le grand méchant à la fin du Grand Tournoi, qui s'appelle pas du tout le Grand Tournoi d'ailleurs en ricain. Et en fait, à un moment, pour le taunter, il le retourne. Il lui met une petite tape comme ça là sur le téton. Je sais pas si cette scène est trop chelou.
C'était tout net. À la vache. Effectivement. Et le grand tournoi, je pense que c'est un des derniers films qui a été chorégraphié par Frank Deutsch. Les gens se disent genre, mais attendez, on peut pas faire 10 ans des films sur des coups de couilles. Ça suffit. Enfin, ça suffit maintenant. C'est n'importe quoi. Et si, la fraude et si, là. Et pourtant si. Et pourtant. Et énorme fraude bien sûr. On l'a dit. Et donc, comme, on arrive sur une égalité. 4-4. D'accord. Fort fort. 4-4, c'est très fort. C'est avec très beaucoup fort, de biais de la part de l'arbitre. Pardon. C'est vrai qu'il y a eu un point. Charmé. C'est vrai. Attention. Quel était le nom de la société de production qui a révélé Bruce Lee et Jackie Chan? Oh la vache. Ça, c'est complexe. C'est un truc hongkongais, hein, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est Golden Harvest? Gage, pose mes fiches. Putain. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Golden Harvest, il l'a, effectivement. Bien c'est bien. La bonne réponse. Ça te permet de prendre l'avantage. Et ce qui est très rare dans cette émission, c'est que vous êtes meilleur que le chat. Souvent, rapide. Mais attends. Voilà, vous êtes meilleur. Non. Moi, j'ai répondu sur des questions Street Fighter. Tu vois, j'ai répondu sur des questions. Phrasetta, j'ai gagné un point gratuit. Non, Phrasetta, c'est gratuit, si tu veux. Mais tout le reste, t'as sorti des vieilles références qu'on vient. Mais parce que lui, il bouffe des films en vietnamien. Mais lui, il s'en fout. Il grignote même. C'est ça. Je vais me faire molester. Vous vouliez la hache? Attention. Vous voulez le livre? C'est fini. Attention, finito. Encore une fois du son, on est à 5-4. Allons-y. Ça peut-être aller vite. Légende, on y va. Yes. He was gonna kill me. But he hit harder than George. His reach was longer than George. He's a better boxer than George. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sunday Lister. I'm experienced now, professional. Jaw's been broke, been knocked down a couple of times. Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. Ça vient d'un film ou c'est une interview? Non, ça ne vient pas d'un film. C'est une interview. C'est pas un catcheur. J'ai pas envie de donner la mauvaise réponse, mais... Le chat là. Je pourrais dire Mohamed Ali, mais j'ai pas envie de le dire. Il faut baiser après, c'est à vous de voir. Mohamed Ali. C'est une bonne réponse. Let's go! La fraude! L'escroquerie professionnelle! Franchement, il faut savoir que. Le quiz le moins duel... compétitif du monde. C'est ça! Dans le duel, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut tenter, il faut y aller. Tu viens littéralement d'offrir ce point. C'est vraiment. C'est vrai que ça fait du sens. Parce que dans le sens, je pensais Mike Tyson, mais j'hésitais. Non, il parle de George Foreman. Exactement. C'était avant le célèbre combat Rumble in the Jungle. Et donc, ce qui a précédé le combat face à George Foreman, Mohamed Ali, grosse en fait, légende, évidemment. Tiens, ça doit être Mohamed Ali, mais est-ce que ça vient pas du film avec Will Smith? Non. Parce qu'il y a forcément le même discours dans le film où je sais pas. Mais c'est là, au niveau de la voix, ça sentait au niveau c'est du. C'est ça. Et quand moi j'étais à Mike Tyson, ça collait en plus. Ouais, j'ai apporté quelque chose de nouveau ou autre avec le mec qui est là. Mais Mohamed Ali fait beaucoup plus de sens, t'arrêtes. Exactement. 5 partout, égalité. Mais d'ailleurs, le plus grand ever, hein, c'est quand même lui, le goat des goats, hein, même Mike Tyson le reconnaît. La goat, mon cher ami. C'est l'ultra goat. Le mec avait un réflexe absurde, il a une puissance. Y compris politiquement. Hein, Même s'il a fait des dingues, mais on reviendra pas, il a fait quand même des saloperies. Selon la légende, quelle danse JCVD a-t-il inventé dans le film Kickboxer? Waouh, ça c'est dur. Il aurait inventé un truc. Oui, selon la légende. Moi, par contre, est-ce que tu as une question sur le film de breakdance dans lequel Jean-Claude Van Damme apparaît sur Venice Beach? Je peux rien te dire. Il demande des questions tellement précises. Mais mec, c'est ça, est-ce que tu as la taille de la couille gauche de Jean-Claude Van Damme? Ça, on l'a mesuré pour vous. Parce que si vous avez déjà vu, tu sais, t'as peut-être déjà vu un gif de Jean-Claude Van Damme en juste au corps qui fait ça. Ouais. Et bien, ça vient d'un film, du premier film de breakdance ever qui s'appelle Breakin'. Et du coup, il y a des grands pionniers du breakdance qui font. Le premier film des battles de breakdance. Du coup, il y a Jean-Claude Van Damme et il est à peine crédité et tout. Et du coup, ça se voit qu'il essaie d'attirer la caméra. Ouais. Il en fait des caisses et tout. C'est trop bien. Malheureusement, rien à voir avec cette danse ici. Il y a Chaka Khan à la BO d'ailleurs. On a une vidéo. On a une vidéo sans son, juste pour tu voir. Je vive évidemment. Celui-là, je l'ai pas. Mais la danse, hein, je la vois très bien, hein, mais je ne sais pas ce qu'il prétend avoir inventé. Le nom de cette danse, vous l'avez tous effectivement. Le jerk. Ça passe en boîte, on me dit en plus. C'est pas le jerk. Après, bon, je sais pas si vous êtes des gros clubbeurs. On m'a dit ça en région mode, les gars. Ouais. Ah ouais, non, moi je serais dans le tronc. Avec Bob, on fait 3-4 boîtes le soir. Le soir, c'est Macumba. Et ça s'appelait tout simplement le Kuduro. K-U-D-U-R-O, Kuduro. Kuduro, mes chers amis. Et ça, c'était. D'accord. Ouais, ça fallait chercher. Ah, la question, elle valait 5 points. C'était une question. Cherche, là. Gars, t'avais gagné le quiz, on pliait bagages, là. Dès qu'il y a une question qui touche les gens cool qui vont au club. Effectivement. C'est la question clubbeur. On vous a pas oublié, on a parlé à Hellfest juste avant. Ouais, c'est ça. On pense à vous. Ah, jeux vidéo.
Voilà, bah, ça a dosé un peu sous le Calibur ici. Moi, j'ai adoré ce jeu. Bien sûr. Ah, j'ai adoré le 3. Kayane, on le salue. À tout jamais. Edge, sous le dans Calibur, mon cœur, Link sur GameCube. Dans sous oui, le Calibur. Sûr, oui, effectivement. Link sur GameCube. Non, Spawn sur Xbox. Mais arrête Mais Link était pété. Arrête dans sous le Calibur. Quel personnage a un look involontairement sadomasochiste. Oh, c'est là Voldo, bien évidemment. C'est bien sûr si Voldo, la bien sûr. Regardez-moi ça. On parle ça. De la beauté. Et attends, il comment, a ça, aucun sens. Comment ça, involontairement? Bah, c'est-à-dire qu'apparemment, c'est involontaire. Le man, il s'habille un matin comme ça, il a débarqué. Ça. Ah bon, il a été designé dans cette intention parce qu'il est sourd, aveugle et muet. Il ne se base que sur les mouvements de l'air et qu'en réalité, pour lui, la fashion n'existe pas puisque si la seule sensation que t'as, c'est la sensation tactile et l'odorat, à un moment, tu t'en fous un peu de savoir le slip oui, que t'as sur les boules. Avoue quand même que bon. Ouais, mais tu regardes, les tu regardes. Piercings au téton. Voilà, mais attends. Pour sortir l'air. Attends, tu regardes Tali ou la fille au cerceau. Je suis désolé, les fringues sont là aussi. On ouais, parle d'Ivy. Oui, on parle d'Ivy, frère. On parle des vrais débats. Parle. Voldo, la réponse est bonne. C'est un point supplémentaire de ce côté. Les personnes du Calibur sont quand même extra ornies dans leur design. Oui. Ouais, c'est quand même. C'est marrant parce que ça ne faisait que s'empirer au fil des années. Puis après, ça a recommencé à redescendre. Tu sais, on atteint un maximum sur Ivy. Ça, c'est ça. Question speed, très très vite. On a, je vois qu'on a la main sur le buzzer. Vite. Non, est-ce que Bruce Lee, non, Bruce Lee, oula, a-t-il, ça va vous, déjà battu Chuck Norris avec vous. Oui. Oui. Oui, absolument. Oui. Est-ce que tu as... Ah, j'ai pas le nom du film. C'est pas grave, si tu ne l'as pas, c'est pas grave. J'ai pas le nom du film, c'était très bien la scène. C'était point bonus si tu l'avais, bien effectivement. Sûr. Scène qui est légendaire. Bien sûr, c'est pas Enter the Dragon, c'est... Non, c'est pas Enter the Dragon. Il est vraiment rétro. Mais il y a le dragon, il y a le dragon, effectivement, parce que c'était tout simplement la fureur du dragon. La fureur de dragon. La fureur du dragon. Et là, il le tue. Bateau colisé. Ouais. Il le tue, il l'étrangle, il lui pète la nuque. Et moi, une scène, voilà, scène légendaire. Chuck Norris, légende vivante, extraordinaire aussi. Bien sûr, bien sûr. C'était pas un des premiers rôles de Chuck Norris d'ailleurs? Ou genre son 3-4e? Bah, genre il débutait, hein, c'était pas encore... Ah non, c'était pas la superstar qui... Il a pas... Donc moi, Chuck Norris restera à tout jamais pour moi Walker Texas Ranger dans mon cœur. C'est vraiment... Il a fait tellement de films de commando, de karaté commando, de commando karaté. Et le film Sidekick, tu te souviens de ce film? Où un gamin, il rêve que c'est le meilleur ami de Chuck Norris. Oui, à la fin, il fait un concours de karaté, il y a vraiment Chuck Norris qui vient le soir. C'est ça. Et en fait, il passe toute sa vie à rêver que son meilleur ami en place, Chuck Norris, aussi, ou ce genre de truc. Il s'inscrit au karaté, à la fin, il y a vraiment Chuck Norris qui vient et qui destroy les bullies, tu vois. Et quoi. Enfin, le mec, il a inventé Chuck Norris. Il a un stand, en fait. C'est Jojo's Adventure, tu sais. Effectivement, c'est le point qui est récupéré. C'est oui, on n'avait pas la fureur du dragon. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Par contre, qui a composé le morceau qu'on va entendre tout de suite? Pas évident. Ah non, je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas. Je sens le point arriver là. C'est le thème de Mortal Kombat, mais je ne sais plus qui c'est qui l'a composé. Yes, man. Vous n'aviez pas le compositeur, effectivement, c'était Z. Immortals. The Immortals. The... On sortit un CD avec. The Immortal, oui. À l'époque, il y avait un CD Mortal Kombat. D'OST. Les OST ? Oui, il y avait le... Non, mais même pas, c'était même pas l'OST. C'était, ils ont sorti le CD de Annihilation qui était tout bleu et tout. Il y avait d'accord. Un ailleurs de, je sais plus comment ça s'appelle le groupe, mais c'était vraiment de la grosse électro-techno rock qui voulait rien dire. Et vraiment, ils avaient fait un mishmash de musique. Ils n'avaient rien à voir. Dedans, voilà, et Mortal Kombat en premier. En légende, effectivement. D'ailleurs, Mortal Kombat qui a eu un film il n'y a pas si longtemps. Avec un nouveau perso, nul à chier. Alors, j'ai pas vu le film, mais big up à mon frérot Donald Renew qui a fait la DA dessus. Ah ouais. Et s'est lui tenu à cœur de reprendre toute la VF du casting original. Keno est le meilleur perso du film. Oui, ça c'est clairement. Et c'est celui qui est le mieux réussi. Le nouveau héros est pas ouf. Ouais. Mais ça va, ça s'est regardé. Le gros problème du nouveau héros, c'est que c'est vraiment un, le self-insert, tu veux, on n'avait pas besoin de Luke Skywalker, et de deux, c'était vraiment, il a un pouvoir qui ne marche pas, il est facultatif au film. En fait, quand ton héros est facultatif au film, ça casse. Je suis désolé, tu sais, t'as l'impression de jouer à Kingdom Hearts avec Sora qui regarde tous les Disney. Il fait des side quests, salut, on est là, c'est ça. Exactement. On est sans caméra. Dans un monde où il y a Mortal Kombat Conquest, le téléfilm, qui est le 3 non officiel, qui est en fait le téléfilm qui suit la série télé, là, c'est tellement de la merde. Qui se finit au bout de quoi, 17 épisodes. Et en fait, Raiden perd à la fin. Ah, bien sûr, il perd. Shao Kahn gagne à la fin de Mortal Kombat. On va parler. Spoil, désolé. Bon, après, ça va. Continue à dire que le film de 95 est le meilleur, si tu veux. On va parler jeux vidéo, encore une fois. Dans l'histoire principale, qui est le héros de Tekken, mais depuis? Attends, parce que, il y a une J'ai pas fini ma phrase. Il y a une coquille dans le potage.
faut que tu tentes. Ça va être depuis le 3 et ce sera Jin Kazama. Jin Kazama, si c'est depuis lui, le 3. Il te donne, il veut jouer avec toi en fait. Attends, il donne littéralement pas depuis le 3ème épisode. Attends, je le dis, mais pour propreté, la réponse que je donne est Jin Kazama depuis Tekken 3 parce que c'est le plus célèbre, mais avant c'était Kazuya Mishima, bien évidemment. Avec Hayashi Mishima. Dans le 1 et le 2, ouais. De toute façon, c'est Jinpachi du Mishima. Et c'est toute la famille, hein, de toute façon. Avec notamment, fait par le même studio qui ont fait Street Fighter Animated Movie. Quel voilà, merci. Qui ont fait Street Fighter Animated Movie. Il y a LOAV. Il est beaucoup moins bien que Street Fighter 2. Arrête! Attends. Il est très honnête. Il y a quand même eu un film Tekken. Il est très honnête. Un drame absolu aussi. J'espère que vous l'avez vu. Un film avec Gary Daniel. Catastrophe. J'ai une anecdote sur ce film, si on a deux secondes. Dans le film Tekken, il y a un personnage qui joue le rôle de Bruce, qui est donc le mec avec les cheveux blancs dans Tekken, qui est joué par Gary Daniel. Et Gary Daniel, on l'a vu aussi dans Expendables, il se fait défoncer par Jet Li dans une cave là, etc. Mais avant tout, Gary Daniel, c'est l'incarnation au cinéma de Ken le survivant. Mais oui. Et surtout, et en plus, et un autre Ken, Ken Master dans dans le Nicky Larson avec Jackie Chan. À un moment, il y a une scène où il change, d'arcade, ouais, c'est ça. Où tout à coup, il y a Jackie Chan qui est en Chun-Li et il se bat contre un mec qui est en Ken Master, en lui, rouge et tout, qui fait les Tempukyaku. Et c'est Gary Daniel. Il se retrouve dans Tekken, merde. Exactement. Ça ouf ou pas. D'ailleurs, il fait un Tempukyaku en mode overspeed, dégueulasse. Totalement parfait. Ouais. Il réplique avec un Hurricane, enfin un Spinning Bird Kick qui est lui aussi mixé dégueulasse. Enfin voilà, c'est bien évidemment. Les amis, incroyable. On va enchaîner. Avec Gary Daniel, incroyable. On est à 8-6 pour Bob qui a récupéré des petits points comme ça en se régalant grâce à l'amitié que lui porte Benzaï. J'ai gratté. Ici, c'est l'escroquerie. Attention, on parle de Conan. Conan. Ah merde. Qui joue Conan dans le remake de 2011? Bien joué. Jason Momoa. Jason Momoa, c'est une excellente réponse. Tout de suite, le point qui part sur Benzaï. Attention, ça va très vite. Jason Momoa, que j'ai rencontré un peu bourré à la Japan Expo. Non, mais à Paris Manga. Et je lui ai dit, ouais, le Conan, il manquait un peu. C'est dommage parce que l'intro avait vraiment de grosses burnes et la suite, c'était un peu dilué. Il a fait, ouais, il y avait plein d'idiots sur cette prod. Et voilà, c'est de sa bouche. Et par contre, ça fait plaisir. Ça a l'air d'être un bon gars, Jason. Je me souviens d'avoir vu de loin et effectivement, le mec est colossal de fou. C'est absurde. Il y a bien un mec, Le gars est taillé comme un Space Marine, en fait. Ah ouais, bien sûr. Ah non, il est hors norme, c'est sûr. Jason Momoa qui reste rebelle. La 8-6 dans Stargate. Pendant les photocalls. Ouais, mais c'est giga chat, tu vois. Oui, c'est giga chat. Ça, le mec 200 kilos, c'est, il a 2% body fat, hein, tu dis. 6m43, ça n'a pas de sens. Attention, qui était Wong Fei. Ouais, c'est là. Bien sûr, ben c'est le médecin qui fait du kung-fu avec sa crête. Et il est un peu coiffé comme toi d'ailleurs, avec une énorme natte qui a été interprétée par Jet Li avec grand brio dans Once Upon a Time in China 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Si tu me cites deux acteurs qui l'ont incarné, je te rajoute un point. Effectivement, tu m'as cité Jet Li. Il y a beaucoup de gens qui ont fait Wong Fei-Hung par contre. Vas-y, deux acteurs, t'as Jet Li. Alors, il y a Jet Li, ça c'est sûr. Il y a peut-être Chow Yun-Fat qui a fait Wong Fei-Hung, mais je mettrai pas ma main à couper. T'as déjà le point. J'ai pas forcément un deuxième. Pas forcément c'est tellement iconique, Jet Li. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a inspiré des personnages, notamment dans Last Blade 2. Déjà, t'as tellement d'anecdotes. Le moine qui se bat avec son. Ah ouais, le ouf. Ouais. T'as le point, tu sais qui c'est, tu m'as donné un acteur, je te donne deux points. Effectivement, on pouvait dire aussi Jackie Chan dans Drunken Master 1. Et deux. Ah ouais, il joue Wong Fei-Hung. Ah ouais, non mais attendez, ça n'a plus rien à ça voir. Ça n'a avec plus le même rien Wong à voir. Ouais. C'est le même univers. Là. Attends, écoute bien. Wong, c'est pas Wong, c'est Hong, mais dans le MCU, on avait Donnie Yen dans Among Heroes, pardon. Sammo Hung, un frère que j'embrasse très très fort dans le tout film dans 80 jours, pardon. Et Kwon Tak-hing, le premier acteur à l'incarner à l'écran dans près de 80 films. Ah ouais. Donc là, ça, 80 films. 80 films, gars, c'est très très bien. Deux points pour l'ami Benzaï. Effectivement. Donc, très belle question. Là, je crois qu'on y revient à l'égalité. Et d'ailleurs, tiens, parce qu'il y a Jackie Chan qui a incarné Wong Fei-Hung, mais est-ce que tu savais que le générique d'intro de Once Upon a Time in China est chanté par Jackie Chan? Tu savais que le générique de Walker Texas Ranger est chanté par Chuck Norris également. Oui, Jackie Chan, il n'a pas des CD de karaoké de fou furieux qui vendait aussi. Enfin, Oui, c'était une gigastar de ça. Vraiment. Le mec était doué de ouf. Non, mais ça, c'est les cultures. C'est vrai que quand tu es culture anglo-saxonne, etc., les mecs peuvent tout faire. Ils peuvent danser, chanter, jouer. Enfin, frère, c'est très, très grave leur niveau. Après, bon, on peut pas, nous, on est à plus belle la vie. Et le biopic sur Banane de Chirac qui arrive bientôt. Enfin, genre, n'espons pas tout aux orties. Est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle chante? Quelqu'un qui a été casté pour jouer David Douillet dans son propre rôle. C'est quand même n'importe quoi. J'ai des pièces jaunes aux gens. Quel a été le premier rôle important de Bruce Lee? Bruce Lee, c'est dur. Moi, je l'ai. Oh.
Bon, Hunter de Dragon, je le dis. Hein. Non. Non, c'est pas celui-là. Non, tu l'avais, c'est Kato, le garde du corps dans le frelon vert. Hein. C'est une excellente réponse. Il récupérait le point de toute façon, mais là, la précision est encore incroyable. Je crois qu'on est à 9-8. On est sur des vieux films de baston hongkongais. C'est même une série. Série télé. Ça, moi, si c'est pas Karate Kids, c'est fini. Ça a été rebooté avec peu de succès par Seth Rogen, d'ailleurs, au cinéma. Hein, je peux te citer le scénario de Karate Kids 3. Hein. Let's go. Je sais pas, si ça te donnera des points. Je veux rien dire, le 3 en là, plus, avec le papier qui n'est pas signé. Ouais, non, mais ça n'a pas de sens. Vous avez regardé Cobra Kai? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, respecte-nous. Bien sûr, incroyable. Incroyable, Karate. Permet Cobra Kai, je discute seulement. C'est l'essence même du... Qui? C'est du son. Qui est-ce qu'on entend là tout de suite? Mais qui? Alors, c'est un des développeurs de Mortal Kombat qui apparaît quand on fait un gros combo ou qu'on fait beaucoup de dégâts et qui vient dire « Toasty !» parce qu'en fait, quand ils bêta-testaient le jeu, en fait, ils se vannaient entre eux en mode genre « Ah, t'es toasté, je vais te toasty !» Et après, ça arrive derrière. T'as le nom ou pas? Non, j'ai pas le nom de ce développeur-là, parce que c'est Ed Boon qui a créé Mortal Kombat, mais c'est pas Ed Boon qui fait. Nous, on pense que c'est Ed Boon, mais c'est pas Ed Boon. Je te donne évidemment le point, puisque t'as toute la rêve, tu m'as tout cité. C'est le nom, en plus, c'était Dan Forden. Dan Forden, c'est ça. Voilà. Vous l'avez. 11, 8. Il est fort. Hein. Tu commences à demander qui a fait la mocap de Scorpion dans le 2 ou le 3. Attends, vous avez, là, moi, je vais vous le dire, je vais vous dire en toute honnêteté. Hop, je tape dans mon micro, j'en ai rien à foutre. Je vous dis en toute honnêteté, j'attendais pas un tel niveau aujourd'hui. Je suis choqué. Non, vraiment, je suis très sérieux. Je suis beaucoup choqué. Et Bob, tu t'étais. Non, il faut le dire, Bob, tu t'étais sous-merdifié en début d'émission. Tu me régales. Je tiens à dire. Mais attends. Mais tu remarques que c'est lui qui fait les anecdotes. Moi, je suis largué, mon gars. Son power level est absurde. Moi, je suis Krilin, tu vois. J'essaie de suivre Goku, c'est mort. Tu m'as parlé de l'acteur américain. Tu m'as sorti, frère. J'ai un jeune. Mais non, mais. Si. Arrêtons, vous êtes magnifique. Par contre, bien avant d'incarner Bill dans le diptyque Kill Bill de Tarantino. David Carradine qui faisait Kung Fu, la série télé. Et il est mort en se suicidant d'asphyxie auto-érotique. J'en ai marre, j'ai pas fini la question. Il a même les conditions de la mort. Comment David Carradine? Mais qu'est-ce que je fasse? Tout le monde n'est pas mort en se branlant. Enfin, genre. Désolé. C'est un miroir, effectivement. Le film est Kung Fu, la légende continue. Ouais, plutôt, effectivement, en interprenant... C'est Bruce Lee qui aurait dû le faire, d'ailleurs, Kung Fu, à l'époque. Le chat est fou. Hein, vous avez parié sur mes poulains, les enfants. C'est mort, c'est mort. 12-8. Mort, c'est mort. Bill ne fait pas Kill Bill. C'est pas David Carradine sur Kill Bill pour aucune raison. Tu vois, ouais, il y a tout sûr. Un... Ouh. Attention, je crois qu'on a une vidéo ici. Enfin, pour après. Mais tu peux mettre les lunettes, c'est pour... Vas-y. Qui était Segata Sanchiro? Oh, putain. Je donne la parole à Bob. Ah, merci. Oh, il a le cœur sur la main, il te donne la parole. Vraiment, il a le cœur sur la main. Alors, le champion judoka du Japon, qui a été ensuite embauché par Sega pour devenir littéralement leur mascotte et faire des pubs pour Sega à l'infini, notamment sur la Sega Saturn, basé sur le jeu de mots Sega Saturn Shiro, parce que Segata Sanshiro et Sega Saturn Shiro jouaient à la Sega Saturn. Alors là, et en plus, c'était que des pubs où il y a des enfants qui sont là, ayant des activités saines comme jouer au baseball, et il arrive, joue à la Sega Saturn, et le gamin, puis il se fait des tonnes de prises. Voilà, let's go. C'est ce clip. C'est ce qu'ils regardent. Ils vont jouer, Riri, Fifi, Loulou, Bac. En plus du jamais vu, parce que tu là, t'as Picsou qui récupère l'argent. Est-ce que t'as joué à la Sega Saturn? Deux questions en même temps. Regarde, et leur casse la gueule. Alors c'était, je sais pas si t'as remarqué, ma question c'était qui était à savoir Segata Sanchiro et pas Sugata Sanchiro, mais tu as donc répondu. Mais c'est ce que c'est un jeu de mots japonais. Gars, t'as fait la malgame, Bob. Tu as répondu à deux questions en même temps. Je n'ai pas besoin. Le champion de judo et l'acteur qui fait. Tu prends deux points. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. C'est ça, avec bonus clip juste pour la postérité. Lorsque Sega a mis fin à la Sega Saturn, c'est tout l'enchaînement. Il est mort. Ils ont fait un clip, une publicité ou autre où Sega Saturn Shiro empêche un missile envoyé d'ailleurs par, c'est pas par Sony ou Nintendo, mais tu sais, une vieille entreprise un peu bâtard. Par Nintendo ou par Pony, comme ça. Il stoppe un missile contre un mur alors qu'il y avait un meeting au 119e étage de chez Sega, il part sur la lune et il a Sega Saturn Shiro, Sega Saturn Shiro. Et au loin, tu vois l'explosion gigantesque. Ils ont tenté des pubs par la suite. Il reprend le fils oui, de l'acteur, j'allais le dire, c'est ça, qui lui aussi en mode The Legend of Koizumi, si tu veux, qui dit allez, je prends la suite de mon daron, le fils de Ken qui arrive et qui va massacrer des gens pour qu'il joue à je sais pas quel concours. Ok, il nous reste. La précision, c'était pour la sortie de la Sega Saturn blanche. Il nous reste, les amis. Merci de m'avoir laissé ce point. Tu avais tout ce que j'ai dit, 100%. Il a été très sympa. Mais oui, mais c'est très fair play parce que pour un vraiment, il a le cœur sur la main. Je peux monter mon point. C'est Goku qui voit le Saiyan, il fait allez vas-y, Krilin, tu l'as. Parce qu'en plus, ça te donne. Je te l'ai dit, ça vraiment.
la question d'après, c'était qui était Sugata Sanjiro. Mais ça vaut qu'un point. Mais t'as répondu. Ça vaut un seul point. Non, ça vaut un seul point. T'as donné les deux. T'as donné les deux, gars. C'est moi. De toute façon, c'est moi qui décide. Ça donne deux points. Deux points ici. Je crois qu'on est à 13-10, un truc comme ça. 12-10, pardon. 12-10 pour Benzaï. Effectivement. Mais les amis, il est très dur à arrêter, Bob. Vous savez, quand il est dans son etc. Non, mais il n'y a pas de souci. Attends, mais dis pas ça. L'autre, il parle pendant 45 minutes de film Mon Congé Obscur. De la mort par asphyxie auto-érotique. On n'a pas placé une de l'émission. Ça suffit. Non, non, tu me la fais pas. Moi. Attention, on va parler d'un registre complètement différent ici. Quel entraînement a suivi Saitama, le héros de One Punch Man, pour devenir aussi fort? Précision. Alors, 100 pompes par jour, 100 comment ça s'appelle, génuflexions par jour, sans squat par jour, exactement, courir 10 km ouais. Et 100 flexions abdominales par sans jour. Sans abdos, c'est la bonne réponse, voilà. Il a tout dans le bon ordre, qui est pris, et il a fait ça pendant 3 ans consécutivement, chaque jour, sans faillir, à se buter. Et exactement, et il est devenu chauve, hein. C'est ça le résultat de son entraînement. Effectivement, on prend le point, 12-11, très serré, il reste deux questions. Et attends, tout le monde qui pense que Saitama est invincible, Death Battle a fait le calcul, il perd face à Popeye. Et je suis désolé, quand tu regardes les dessins animés de Popeye qui vainc l'entropie elle-même, qui autogénère depuis le néant des boîtes d'épinards, Popeye, si tu veux. Popeye, l'Avenger originel. Non mais attends, mais Popeye dans un dessin animé quand même frappe son dessinateur. Oui. Genre il sort du fil de l'époque comme ça, il va voir le dessinateur et t'as vraiment un insert en mode, tu sais, qui veut la peau de Roger Rabbit, ouais. Où il va malaxer les animateurs de la série Popeye. Il malaxe lui. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu te dis, voilà, est-ce que Saitama est déjà sorti de son manga? Non. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Gars, j'ai un coup de fil à passer, il le fait sortir. Ah, il reste deux questions. Deux questions. Là, 12-11, on l'a dit. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on entend ici? Hokuto, Hakuretsu Ken. Il a eu à la première. Bon, c'est on dit égalité, c'est scripté, c'est pas possible. En plus, les... il a donné le nom partout. De l'attaque. Hein. Oui, non, oui, mais oui. Bien sûr. Attends, Hokuto, l'extraction, attaque, alias les 100 points de la déchirure. Exactement. Du Hokuto de l'étoile du Nord, parce qu'ils n'appellent pas les consorts. Ouais, ça, voilà. Face aux Z, il frappe. Et Hokuto de cuisine et tout ça. Il frappe les 100 points Toei. Parce qu'en plus, c'est pas des attaques au pif qu'il fait. C'est vraiment 100 points sur le corps des méridiens, si tu veux. Un peu pour ceux qui connaissent Naruto, c'est les points de chakra, si tu veux. Il vise bien, il fait l'attaque à Neji, si tu veux. Qui ensuite génère, de la manière la plus douloureuse qui soit, l'explosion de la cage thoracique de son adversaire par ce propre organe qui explose apparemment. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est dans le dessin animé et dans le manga une attaque qu'il n'utilise pas tant que ça finalement. Non, pas tant non, que ça. Mais c'est ça juste son attaque légendaire. 3-4 fois, voilà, c'est ça. Et Toki prouve, son grand frère, c'est celui qui est malade et tout, prouve qu'il est meilleur parce que lui, il fait le Yakuretsuken volant. Ça, il fait un saut périlleux arrière et avant d'atterrir, il fait le Yakuretsuken. Et Ken, il est là, ouais, il est tellement rapide. Toki est le meilleur. Ça. Et quand t'as Ken, le survivant, qui dit. Ce mec, il est fort quand même. Là, voilà. Quand t'as Saitama qui dit, il tape dur lui. Tu commences à plancher à dire voilà. Il reste une seule question. C'est une question très perso. Et je peux même te dire contre qui il l'avait fait lui. Écoute. Gars, tu pourras pas me le dire parce qu'on n'a pas. Là, c'est contre Z. La BO, c'est là. Merci. C'est une émission talk show ce soir. Qui est le plus fort entre Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone? Et Arnold Schwarzenegger. Jackie Chan, si, il est en retard, il a un bébé en main, il est dans les bouchons, il est flic, on lui a volé son vélo, et il doit absolument assister à un rendez-vous qu'il ne peut pas rater, comme un mariage parce qu'il est témoin ou un truc comme ça, et qu'il se trouve donc dans un bâtiment en cours de construction. Ok, ok, ok. Benzaï. Alors moi j'avais une réponse mille fois plus terre à terre, il y a une interview de... Ça régale, non, mais j'ai fait exprès de donner une réponse de merde. Vas-y. De Lina. Et l'interview de Michael J. White, multidisciplinaire et très très grand combattant du cinéma, qu'on a vu dans Dark Knight par exemple, qui est aussi Black Dynamite quand même à l'écran, qui est un des plus grands films de l'histoire, mais qui explique que genre, mais attendez, dans le combat total, il y a des catégories de poids. Genre, je fais deux fois le poids que faisait Bruce Lee à son prime, il ne peut pas me tuer en fait. Oui, ça ne passe rien. Parce que les gens le savent pas, mais il faut savoir que dans les sports de combat ou autre machin, en boxe, en ce que tu veux, les catégories de poids comptent.
compte. Oui, énormément. Exactement. Ça se passe pas du genre, lui il est gros et donc il aura moins de vitesse. Moi je suis petit et plus agile. Oui, non, c'est frère. Toujours ce cas. Non, frère, il y a aucun rapport. Un daron qui a des bras comme des pneus, il te met des gifles à la vitesse de la lumière. Je sais déjà que dans le chat, les gens vont parler de jujitsu brésilien en mode genre, oui, mais. Le chat, tu veux annuler le gabarit. Le chat, ils disent ah 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 ah. Alors, tu peux annuler. Pour l'instant, ça va. Tu peux soi-disant annuler la différence de gabarit avec les pratiques de jujitsu brésilien et ça aurait été prouvé au premier UFC ever, etc. C'est donc chaud, de l'école Gracie, chaud. Mais à l'époque, lorsqu'il y a eu le premier truc où ils ont mis un sumo contre un mec qui fait du karaté, etc., le mec du Gracie Jiu-Jitsu n'est jamais tombé sur le sumo, tu vois, parce qu'il ne se serait rien passé. Et du coup, il y a eu beaucoup de chance sur son draft, hein, de la chance. Mais bref, du coup, Schwarzenegger, il fait le. Enfin, si on parlait à notre prime, hein, pas Schwarzenegger, prime time. Hein. Oui, il est bien. Surtout contre le cadavre de Bruce Lee, ça veut rien dire. Ou Stallone. Schwarzenegger, bien plus lourd. Schwarzenegger, il fait ma taille. Les gars. Je vous le dis tout de suite. Enfin, Stallone, il fait ma taille, Schwarzy est bien plus lourd. Ouais, c'est vrai. Je vous le dis tout de suite. C'est juste pour qu'on puisse parler, il n'y a pas de point. D'accord. Il n'y a pas de point, gars, vous avez été tous les deux super bien. Et quand bien même, je dirais le point pour lui, parce que Schwarzy, pour la bonne simple raison qu'il avait eu un truc, il était vieux, tu sais, après ses Terminator, machin, quand ouais. Après être. Ah bah après, oui, tu l'es. Mais quand il avait 60 minutes, il faisait des dédicaces, machin, et t'as un gamin pour se sentir intelligent qui lui a fait un double dropkick par derrière, alors que Schwarzy, il était tout vieux. Ah oui, il n'avait pas bougé. Et en fait, il a fait un double dropkick, mais avec inertie, genre il a pris le gamin, tu vois, et waouh, il a fait le saut gros pied de Zangief, tu vois, let's go. Et Schwarzy, il a fait boum. Ouais, vraiment. Et en fait, quand on lui a demandé post-interview du genre, vidéo, après que les mecs de la sécurité virent le gamin et tout, post-sécurité, il dit, bah, je sais pas, quand moi, on me fait des dédicaces, parfois, il y a des mecs qui te bourrent un peu, ils sont trop contents. Il avait pas capté, quoi. Un mec, une grande claque dans l'eau. J'ai cru que c'était quelqu'un qui m'avait mis une grande claque dans l'eau. Alors, c'est ça. Genre, c'est il ridicule, a quoi. Senti zéro, ouais. Alors que le gamin, il a pris en sprint. Il en a rien à foutre. Il s'est pris un heavy high kick en plein haut, il a pris zéro PV. Je peux juste rajouter que si Mike Tyson avait été dans la série, ça aurait été Mike Tyson. Oui, c'est le plus dangereux pound for pound. Je pense, ouais, je pense. Dans l'avion, c'était n'importe quoi. J'aurais pas. Bon, après, le mec était un connard aussi. Effectivement, ouais. Récapitulatif, je donne pas de points. Parce que là, vous deux, vous m'avez régalé. On est à 12 partout. C'est du jamais. Ah, vous voyez. 12, mesdames et messieurs, pour la manche numéro 1. Bob, tu veux rajouter quelque chose? Oui, à vous, en situation que j'avais annoncé, Jackie Chan, avec tous les bonus que j'avais mis, les multiplicateurs ultra. Oui, c'est ça. Pour moi, les combos étaient pas mal. Mais là, il est multiplié. C'est Goku 8, tu le touches. C'était absolument magnifique. Dans Ip Man 3, il y a Donnie Yen contre Mike Tyson oui. Et en fait il y a égalité. Par contre, il y a un film, je ne sais plus lequel, mais il y a Steven Seagal contre Mike Tyson, et là c'est Steven Seagal qui gagne. Wow. C'est craqué, c'est n'importe quoi. Le film est produit par Steven Seagal. Ça, bien sûr. Ça veut rien dire. Le mec est un sorcier, les amis. En parlant de film, il avait un flingue, tu vois. Enchaîner tout de suite sur la manche 2. Pour 8 heures, frère. Ouais, mais en fait, c'est notre enfer personnel, hein, on sort tellement pas de cette heureux case, hein. De parler de vos anecdotes. Toi, t'es inarrêtable quand tu parles, toi, tu me régales aussi. C'est normal. On a la manche 2, on a des punchlines. Alors, je vous expliquais le concept, mais je pense qu'on en avait beaucoup, on en avait en rab au cas où et tout. Moi, j'aimerais voir ma fille grandir, donc faut que je rentre après. Du coup, on fera pas la totalité. Je suis pas intéressant, je suis inarrêtable. Hein. Non. Ça n'a rien à voir. Vas-y, avance ensemble. Ça n'a rien à voir. Punchline à trous, c'est très simple. Cette fois-ci, il n'y a pas de buzzer. Ah. Comme il y a une égalité parfaite, je vais arbitrairement décider de commencer par Bob. Il a le droit, ouais. Voilà, je vais commencer par Bob. Je vais te citer une punchline qui peut venir d'un film, qui peut venir d'une chanson, peu importe, on s'en fout. Et tu dois la compléter. Et, bon, tu vas voir, je vais commencer avec la première. En français ou en anglais? Non, c'est du pur FR. Bon, oh, ok. C'est que du FR. D'accord. Donc là, je vais commencer avec toi. Et tu vas me dire si tu as directement la punchline. Et si tu ne l'as pas, tu auras 3 propositions et tu pourras choisir. Vendu. La première. Moi, je te dévisse la tête et... Est-ce que tu veux le dire le cash ou tu veux les propositions? C'est cash. Vas-y. Je te chie dans le cou, Sergent Hartman, Full Metal Jacket. Et c'est directement 2 points parce qu'il me donne la totale. Bravo, 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 très très bon ici. C'est un tout petit extrait de la totalité du clip qu'on entend maintenant. Allons-y. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Chef, oui, chef! Engagé Guignol, pourquoi tu es dans ma sororité? Effectivement! Chef, pour tuer, chef! Donc tu es un tueur! Chef, oui, chef! Fais-moi voir ta gueule de guerrier!
film légendaire. Ouais, fantastique. Il en est. Je me retourne vers gros toi. Gros commentaire. C'est dommage parce que les gens ne se souviennent que de la première partie du film qui est entre guillemets la. Bah parce que c'est les punchlines légendaires et ça et tout. Machin. Alors qu'en fait, c'est là pour marquer la deuxième partie qui elle est le vrai commentaire ou autre. Les gens s'arrêtent là-dessus. C'est, ouais, c'est comme les gens qui ne regardent que Rambo 2 et pas Rambo 1. Tu te dis pourquoi, effectivement. Mais pourquoi commencer par le 2, ça n'a pas de sens. Street Fighter 2, frère. Dis-moi que t'as joué au 1. Oui, bon, c'est vrai. Respecte-toi. C'est vrai. Mec qui me parle de Soul Calibur et pas de Soul Edge. Respecte-toi. Effectivement. Soul Edge, si j'ai joué à Soul Edge, c'était pas mal. Respecte. Je vais sur Dreamcast. mon cher Benzaï. Oui. Pareil, même chose pour toi. Soul Edge, c'était PS1. Oui, PS1. Oh, et arcade. Une fraude. Oh non, j'ai rien dit, j'ai sur Dreamcast. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire. Il y a une suite à ça ? Il y a une suite à ça. Non, je vais pas la. Ah, ouais, ouais, c'est pas évident. On va afficher les propositions. Enfin, je sais pas. Arrête de me foutre QCM, du coup. Ton barreau de chaise sous le nez. Alors, ah d'accord, pardon, je l'ai dit uniquement. Il n'y a pas de souci, les amis. Vas-y, vas-y. Alors, un suppositoire, première possibilité, que tu allumeras par les naseaux d'un format non homologué qui te tiendra chaud tout l'hiver. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Les écrivains, à l'époque, ils étaient énervés quand même. Hein. Je vote pour qui te tiendra chaud tout l'hiver. C'est la plus marrante, en tout cas. C'est vrai que c'est la plus marrante et malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. C'est était que t'allumeras par les naseaux, effectivement, qui vient le maître de guerre. Pour être dans la vie militaire, disons, plus sympa, pour ne pas dire carrément plus juteuse. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. C'est vraiment les vibes à l'ancienne, les punchlines de Zaza. Zéro point cette incroyable fois-ci. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment une traduction fidèle de ce qui se dit ou c'est une adaptation à la non, c'est, alors très souvent, les VF, ce sont des adaptations ouais, voilà, des voilà, auteurs voilà. Et notamment quand tu regardes South Park, s'ils ne peuvent pas traduire bêtement ce qu'ils font sur oui, South bien Park, sûr, bien sûr. C'est d'adapter. C'est William Corinne qui adapte. Les bites de des poissons. Il y en a une ouais, incroyable. Exact, intraduisible en fait. Un travail absolument monstrueux. Sur tout dans, ça. Dans Team America, je me souviens, dans la version québécoise, il y avait ce truc genre « Arrête, sinon je t'arrache les couilles, je les fous dans le cul, comme ça quand tu chieras partout sur les couilles. » Et ça me faisait trop rire. Attends, parce que ça voulait rien dire. Je suis persuadé. Du coup, c'est la version québécoise. Okay. Ouais. Je suis persuadé qu'elle y est dans la version française, celle-là. Ouh, là, j'ai elle n'est pas formulée exactement. D'ailleurs, le casting de Team America en VF, c'est truc de zinzin. Non, mais c'est trop bien. L'étoile, le gars du Richard Darbois. C'est un des seuls trucs où tu entends Richard Darbois dire « Maintenant, tu vas me sucer la bite. » Et ça, c'est vraiment. Oui, oui, c'est ça. Une question. Exactement. On est parti. J'avale des bérets verts au petit déjeuner. Je l'ai pas, continue. Ah ah ! Donc, j'avale des bérets verts au petit déjeuner, et justement, il est 10 heures. Et justement, j'avais rien pour accompagner mes œufs brouillés. Et justement, j'ai très faim. Je pense que c'est les œufs brouillés. Pas mal. Ouais, il me pas mal, que mais c'est ça. Absolument pas ça. Tant pis. C'était justement j'ai très faim. Dommage. Extrait vidéo. Oh, ça vient d'où ça patrouille, mon salaud. Commando. Ben tu devrais. Ah oui. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. C'est ça. Et justement, j'ai très faim. Mais c'est pas vrai. Oh, des bruitages d'époque. Les punch me régalent effectivement. C'est justement Richard Darbois sur Schwarzy. Ouais, sur Schwarzy, ouais. Avant que ce soit Beretta. Par contre, j'ai honte d'avoir raté une phrase sur Commando. Pour Commando, le c'est clair. Pas le film. Après, tu n'es plus culte. Tu peux pas t'en vouloir, tu peux pas tout connaître. J'ai vu que deux fois, il y a des gens qui sont là, c'est culte. Et puis c'est vieux. Et le truc, c'est que, tu sais, parfois, il y a des trucs qui sont cultes pour tout le monde, mais toi que t'as zappé. Et du coup, tu vois, par exemple, les as regardés deux fois, mais t'avais déjà 20 ans, donc c'est pas c'est ta date où tu peux apprendre par cœur. Plein de gens, Pulp Fiction, c'est culte. Rien à foutre, moi. Genre vraiment, ça m'a jamais marqué, tu vois. Ça fait partie des trucs qui ne sont pas. Toi, alors que pour moi, je suis team, genre Bravart, pour moi, c'est culte. Un barbare, un barbare. C'est vrai, je suis comme ça. Ok, ok, je vois laquelle personne tu es. Benzaï. Oui. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars. Non, je te donne les propositions. Si tu te pointes encore, si tu te pointes, sûr, tu repars. Tu repars voilà. Avec une couille dans chaque main. Avec la tête dans le cul. Avec la bite dans un Tupperware. La bite dans un Tupperware. Merci. C'est une excellente. C'est Chuck Norris. C'est Chuck Norris, effectivement. Pointe encore. Dans Invasion USA. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Voilà, merci. Oh, incroyable. Ouais. Malheureusement, on a perdu sa voix française, Bernard Tiffen, qui nous a quitté, je crois, l'année dernière. Hélas. Et à son âme. On enchaîne. Donc là, c'est un point qui est récupéré de ce côté-là. On retourne. J'ai gagné un point. Non, le point est là. Tu peux pas gagner de points quand c'est à lui. Il a pas gagné de points. Si. J'ai trouvé la dernière. Tu as trouvé la deuxième partie. C'est deux points si tu donnes cash. C'est un point. Gagné au QC. Escroquerie. Non, ça suffit l'escroquerie. On enchaîne. Pour ceux qui bougent,
pas pour ceux. Et ça, c'est pas du film. Là, ça, je peux te dire que c'est compliqué. J'ai pas celle-ci, vas-y. Moi, je pense que tu l'as pas. Qui se chie dessus, qui balance, qui se plaigne. Ceux qui bougent. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui se chient dessus, qui balancent, qui se plaignent. Je n'écoute pas de hip-hop, jeune homme. Effectivement, c'est du peura. Il me faut une réponse, Bob. Qui balance ? Qui balance ? Eh bien, c'était qui se chie Tant pis. Dessus, malheureusement. Ah, je m'étais dit, on va essayer de donner le bénéfice du doute et pour prendre la réponse la plus vulgaire. C'était Mafia, qu'un free pour ceux, effectivement, Rof. Voilà, après, Rof, c'est des ambiances. J'ai bien compris, c'est ambiance plus Hellfest. Ah, j'ai voulu donner le bénéfice du doute. Tu vois pas. Hey, t'as pas eu de bol. T'as eu la question hip-hop du côté de Banzai. C'est pas une question hip-hop ici. Après, elle est très connue celle-là. Après 9 jours d'atroces souffrances, je te donne les possibilités. Ah ouais. J'ai fait quelques pompes et c'est passé. Le Cobra. Ah, le Cobra. Ouais, effectivement, Expendable. C'est dans Expendables 2. Exactement. C'est encore Chuck Norris. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un Cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. La légende. Et ça, ce qui est trop marrant sur Expendable, puisqu'ils ont repris tous les Chuck Norris facts à foison. Ouais. De ce qu'ils en disaient, tous les acteurs sur le set se sont éclatés. Éclatés, ouais. Ils ouais, ont ouais. vraiment pris ouais, une ambiance. Il est bien le 2, il est ouf. Ouais. En même temps, tu réunis toutes les stars des films d'action des années 80. J'ai l'impression que je suis le seul à avoir bien kiffé le 3 aussi avec Mel Gibson. J'ai pas vu le 3. J'ai trouvé bien, moi. Pas vu le 3. Assez cool, hein. C'est un point supplémentaire, on est à 2-2 pour l'instant dans cette manche. Il a vu le 3, on l'a pas vu, c'est un point supplémentaire. C'est un point supplémentaire. Arbitraire. J'ai vu Expendables 3. Attention. Je sais pas trop, mais quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. Putain, ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que c'est... Tu l'as pas de suite, j'imagine. Est-ce que c'est... J'adore les problèmes. J'ai pas besoin de problèmes. Et en plus, tu pues de la gueule. Je sais pas trop... J'hésite entre la B et la C. Quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. J'adore les problèmes. J'ai pas besoin de problèmes. Et en plus... Tu pues de la gueule. Je vais dire la B, au pire, tant pis. La B. Mauvaise réponse, malheureusement, c'était la A. C'est là, d'accord. J'adore les problèmes. Côté totalement. Trouble team. Je vois rien que des problèmes. J'adore les problèmes. Ah bah oui. Dennis Rodman. Dennis Rodman en légende entre deux dunks et deux titres NBA, effectivement. Bravo. Bon, ce film, je l'ai vu une fois en soirée dans un hôtel après une convention parce que ça passait sur une chaîne comme ça et j'en ai vu 45 minutes. Et désormais, oui, c'est vraiment passé le qui temps. Qui est très pote avec King Jong-un, hein, il faut le savoir. Hein. De quel Rodman. Vrai ou... Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Justement, parce qu'il y avait... quand on a vu meilleur pote, quoi. En même temps, quand il te la propose, entre guillemets, qui refuse l'amitié avec lui. Ils avaient fait un roast avec Comedy Central et Jeff Ross avait dit, genre, tu crois que Kim Jong-un est ton ami et lui, il croit que t'es Scottie Pippen. Allez, bâtard. Effectivement. Attention. D'ailleurs, il s'est cassé la bite 3 fois. Il y a des facts comme ça. Il s'est fait une fracture du sexe 3 fois. Mais t'as, vu, t'as lu ça où? Et c'est lui qui en parle. Est-ce que c'est toi qui écris les magazines People? C'est lui qui bosse pour Voici. Il y a des bons facts sur Dennis Rodman, parce qu'il est drogué. Quoi. Ça sent pire. Empêchez-le de parler, ça va pire en pire. On peut pas lui enlever ça. La prochaine... Normalement, il y a un petit bruitage de choc. Bruitage de choc. Le bois ne rend pas les coups. Ouais. C'est une excellente réponse. Ne rend pas les coups. Opération Dragon, c'est 2 points. Du côté de Banzai, on a l'extrait. Juste après qu'il pète une planche. C'est avec cet acteur incroyable. Ah non, c'est pas avec... C'est le bois. Ne rend pas les coups. Oui, bien sûr. Mais je pensais que c'était contre celui qui est très musclé, là. Qui est encore vivant, d'ailleurs. Oui. C'était Opération Dragon, effectivement. Celui-là, je l'avais. Ouais. On passe avec de ce côté-là. Ah, ça va être encore du rap, let's go! Ouais, t'as pas de bol. Écoutez, tu veux pas switcher un instant, là? Est-ce qu'il y a dans tes questions, genre, si sur la AK, je sais qu'ils feront tous caca? Celle-ci, je l'ai vue. Je sais même plus de qui c'est qui a sorti cette punchline. Il vérifie, elle est tellement à Liège, quoi. Oui. Parce qu'en enregistre, en mode... Elle y est. Elle y est. Mais c'est vrai que c'est légendaire. Effectivement... Bon, on va enchaîner. On enchaîne après, celle-là, tu peux potentiellement la voir. Elle est très connue. Attends. Elle est très connue. Je suis le capitaine. Je vais les décapiter.
c'est pas la capitale. Oh, tu l'as. C'est hyper connu. En fait, si tu imagines Bob, c'est genre écouter du hip-hop. Bah, c'est du bon pera. C'est du bon pera. La peine capitale Ouais, non, là, je crois que c'est pas ça. Allez, je te donne les trois. C'est Marseille, bébé. C'est la jungle ici. C'est la planète Namek. Alors, 100%, c'est la planète Namek. Oh non. Ah non, non, c'est rien. Non, c'est rien du tout. C'est Marseille, bébé. C'était très organisé, en bande organisée. Titre qui est passé des milliards de fois, évidemment. Jules qui a réuni tous les rappers de Marseille et alentour. C'est vraiment, je pense que tu l'as au moins entendu une fois. On ne peut pas vous mettre le son, évidemment, pour des raisons de droit. Hein, donc j'entendrai même pas ce stade. L'inculture c'est reste Marseille, maximale. Le je passe en mode siège bébé. Allons-y, voilà, c'est parti. On repasse de ce côté-là. De hip-hop, s'il vous plaît. Je l'avais pas, je l'avais pas. Tu es prêt? Oui. Frappe l'arbre. Ah non, j'en ai assez. Prends ton sac. Parce que je me souviens qu'après, il dit genre, tu te souviens, ton frère, remember, your brother. Et c'est dans, avec le Baobab, là, dans Full Contact, je crois, ou... C'est quand les réponses, parce que c'est pas... Vas-y, c'est pas, ça va pas être ça. Vas-y, ce n'est pas ça, les réponses. C'était trois possibilités. C'est encore avec Van Damme, de toute façon. Prends ton sac et nique ta mère. Et remplis-le de cailloux et quitte ma maison. Prends ton sac et remplis-le de cailloux. Et quoi? C'était et quitte ma maison dans Kickboxer. Frappe l'arbre. Je préfère like this. Ah non, j'en ai assez. Prends ton sac et quitte ma maison. Quoi? Effectivement, pas de cailloux ici, juste une maison à quitter. Cette fois-ci, tu as de la chance, c'est pas du peur. Oh, merci! Ah oui, je te le dis! Enfin! Le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste important de votre vie. Mais pour moi... C'était un mardi. Non, c'était un jeudi, parce que c'est un « it's a Tuesday » en... Parce qu'en fait, c'est inversé, vu que le traducteur n'avait pas... C'est gouré, c'était un jeudi, c'est une bonne réponse, c'est deux points. Et ça vient évidemment de Street Fighter, on a cité Bison, bien sûr. Effectivement, Joe Roulia, il est... J'adore cette GF. Il est bourré de ouf, là. C'était sans conteste le plus important. C'est ce que je disais, il est rembourré à fond. Mais pour moi, c'était un jeudi. Le truc en mode Napoléon de Bison, je le veux tellement dans ma chambre. Là. Oui, il est imbloquable. Le dessin est trouvable en ultra haute HD sur internet. Yes. C'est un fond d'écran de téléphone garanti. Mais effectivement, it was a Tuesday. Alors que c'est la mauvaise traduction, Tuesday c'est mardi en anglais. Les amis, je vais en faire encore deux tours et on arrêtera là. Il est tellement ultra culte. Bien sûr. Pour toutes les mauvaises raisons. Tu sais que Jean-Claude Damme a couché avec Kylie Minogue sur le tournage dessus. D'ailleurs oui, pardon. Oh là là. Tu sais, il a frappé. Il a couché. Attends, sur ce tournage, il a couché avec Kylie Minogue et il a frappé un cancéreux pour faire passer à travers des télés. Le mec Et il n'est pas cancel, c'est ce qui est dingue. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est... Ah oui. Bah non, mais c'est... Bien sûr. Attends, laisse-moi finir. C'est à lui qu'il faut appeler pour entraîner les troupes, d'accord. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence. Et qui pisserait sur ton feu de camp, je crois. C'est ça, pour l'arc sur la banquise. Pisser sur ton feu de camp. Si tu le lâchais sur la banquise à poil pour pas. Mais les gars, c'est une grosse dent. Tu le retrouverais dans ta piscine avec les valises bourrées de pesos. On a l'extrait, effectivement, t'es terminé. C'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Incroyable. Incroyable. C'est deux points. Juste avant, il dit, on n'a pas affaire à l'élève, mais au professeur. Ouais, c'est ça, cette fois, on n'a pas affaire à l'élève, mais au professeur. Alors, les amis en régie, je vais faire les deux dernières, mais vous allez juste les inverser. S'il vous plaît. C'est du rap. Pas, voilà. Ouais, parce que c'est du peur. Okay. Je trouve que là, le sort s'acharne. C'est pas ça, c'est juste que c'est dommage pour la culture, pour tout le reste. Ouais, je l'ai pas. Je suis désolé, je l'ai pas. Il n'y a aucun souci. Hein, tu as le droit d'écouter ce que tu veux. Bien joué, mais une brique n'est pas un vrai adversaire. Est une matière moins noble que le bois, enfin, à mon avis. Ne rend jamais les coups.
Oh, c'est tentant de dire là, c'est... Écoute ton cœur. Tu l'as, toi, Ben ? C'est ce que j'ai à dire. Non, parce qu'en fait, je suis perturbé par... j'ai des pensées, tu vois, parasites, hein, de vieilles anecdotes et tout. Est-ce que tu sais qu'il existe un film de Kung Fu qui s'appelle « La dialectique peut casser des briques, peut-elle casser des briques ?» qui est un redub... Là, hey, tu l'as dans tes questions, c'est ça? Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Mais là, c'est rien à voir, c'est Bloodsport. J'ai pas donné ma réponse. Écoute, je vais le piffer, je vais dire la C. La C, c'est une bonne réponse. Ouais, on ne prend jamais les coups. Et je crois que c'est Bloodsport, exactement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Bloodsport. Un peuple voulait valider son invitation. Non, alors là, bravo, hein, tu m'as eu, Franck. C'est ça, c'est cette scène. Ouais, bien joué. Ils ont l'air tellement énervés. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Oh là, il est doublé par Capitaine Haddock. Ouais. Le Capitaine Haddock. Et du coup, nom, Capitaine Haddock, c'est... tu prends un point supplémentaire, mon cher Bob. Aussi, ouais, et là, on a la fameuse question que tu as piffée tout à l'heure. Mais qui est là pour toi? C'est pour ça que j'ai voulu l'inverser. Ah, vas-y, vas-y, tu l'as. Ouais. Je fais le tour et je sais qu'ils sont tous bas de gamme. Frère, si je sors la AK, je sais... qu'ils feront tous caca. C'est une bonne réponse. Bien sûr, bien sûr. La crime, acte 6, qu'ils feront tous caca, c'est un one shot, c'est deux points supplémentaires. Est-ce qu'on a les points en régie? Tellement de la merde. Capitaine Haddock, Christian Pélissier. Christian Pélissier. Merci, j'avais lu le trou pendant une seconde. 8 à 5 pour Benzaï qui remporte cette manche cette fois-ci. C'est extrêmement serré. Bravo Benzaï, je crois qu'on a 20 à 17 sur le total. Putain, mais tu suis les comptes et tout. Oui, ouais, bah, je vous le dis en régie, hein, parce que je fais les calculs en même temps, mais normalement, fort. Ils étaient à 12-12, donc 12 plus 8 chez moi, ça fait 20, 5 et 2, 7. Oh, attends, il y a des effets spéciaux, regarde, zoom, zoom, là, remets la caméra centrale, remets la caméra centrale. Là, il se passe des choses dans le plateau, c'est assez... Effets spéciaux, man, let's go, let's go. On va... on n'a pas besoin des autres. En vrai, il y en avait encore pas mal. Je vais pas vous mentir, il y en avait encore pas mal. Casser des briques pour la prochaine. Balance en une au pif pour voir. Tu t'en veux une au pif? On rigole, on rigole, vas-y, Ben. Allez, en rapide, très facile. Je mets les pieds où je veux, Little John. Ouais, c'est souvent dans la gueule. Effectivement. Je l'attendais depuis le début. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Honnêtement, on était dessus en mode. En fait, les très simples, elles étaient toutes à la fin parce qu'il n'y avait pas de proposition. C'était en one shot. Ah, c'était au cas où on soit trop des kings. Exactement. Pour faire genre, on a un peu de culture. Rapidement, ça, rapidement. Hé, hey, t'aimes bien les omelettes? Attention. Ah bah, tiens, je te casse les œufs. Je te casse les œufs, bien sûr. Commando. Non, pas Commando. Si. Non, Last Action. Last Action, Last Action. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est incroyable de sortir. C'est fou. Hein. C'est absolument un fun. Bal au bac à solde. Last Action Hero, qui est, je pense, un film incompréhensible. Un de mes. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est en fait, les gens sont là, ouais, mais c'est très parodique, c'est vraiment poussé. Mais c'est une parodie. That's oui, littéralement. Et d'ailleurs, regarde, je peux même revenir dans le Hellfest. Non, toi, pas parce qu'en fait, bah si, parce que Megadeth a joué le thème de Jack Slater au Hellfest. La légende, effectivement. Et il y en avait d'autres. Last Action Hero doublé en français qui est irréprochable, je tiens à dire. Attention, comme souvent, quand on est sur des grands pontes. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, ça bouge un petit peu en régie. Pourquoi? Parce que c'est la manche 3. C'est parti. Ouh là là. Un petit peu, okay. Je vais vous expliquer. Effectivement, manche 3 qui se découpe en 3 rounds. Round 1, round 2, round 3 et le round 1 qui va être assez rigolo, assez rapide avec ce qu'on appelle le duel de figurines qu'on a ici présent. Je vais vous laisser vous mettre en place. On va faire incroyable. Une démo. Rocket allez-y. Sunken Robots. Ah ouais, vous allez voir. Il existe quand même un film adapté de ce jouet. Hein, oui, Real Steel avec Hugh Jackman. Hein. Oui, Hugh Jackman, effectivement. C'est l'adaptation. Un film, plutôt un bon divertissement. C'est l'adaptation officielle de Rocket Sunken Robots. Après, t'as un film adapté de Pac-Man, t'as un film adapté de... Comment ça s'appelle de Bataille Navale. Voilà, merci. Ouais. Les gars, je vous explique, c'est hyper simple. En gros, non, touche pas. Pour les besoins du stream, parce que pour ah, c'est de foutre des claques. C'est du one shot. C'est-à-dire que c'est la manche de la manchette. Exactement. tu peux mettre sur la GoPro de Spi. Je vais montrer aux gens comment ça fonctionne au niveau du plan. Voilà. Ah, c'est bon, si ça on appuie ici. Impeccable. Voilà, tu fais sauter la teutée. T'as juste à appuyer là, et après on remet manuellement. Comment on va procéder? Le duel fonctionne comment? Voilà. En gros, ici tu peux parer. Donc ça, tu restes appuyé. Mais ah ouais. Sinon, c'est trop simple. Pour éviter que vous soyez tous les deux comme ça et attendre le premier, voilà, tu vois, tu pars et c'est nul. Bon, vous allez mettre tous les deux une main derrière le dos et vous allez jouer avec... Un seul doigt. Avec un seul doigt. C'est très important, un seul doigt. D'accord, effectivement. Et je vous interdis de rester comme ça plus de 2 secondes. On ne maintient pas la garde, sinon on va s'emmerder et c'est chiant. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est un... On va faire un BO5. Concentration absolue, je ne vais pas bouger. Rapide, et cette épreuve vaut 5 points. À chaque fois, je vous ferai un décompte 3. Ouais, vaut 5 points cette épreuve. Je vous ferai un décompte 3, 2, 1. Et après le 1, vous pourrez y aller. C'est à vous de jouer sur la stratégie, le flex, les réflexes. Je ne sais pas, on va voir. Tu es prêt? Pas d'ombre chinoise.
Faut mettre le doigt. Vous mettez la pression. Attends, il faut mettre le doigt dans le trou du centre. Et okay, je rappelle, effectivement, on me le rappelle en régie, que le gagnant de cette manche-là fera gagner son cadeau à la communauté qui a parlé. Ah, ok. Oh. Et après, il y aura les autres manches, ne vous inquiétez pas. Les cadeaux sont meilleurs. 3, 2, 1. Hajime. Oh, il a sauté en premier. Ah, t'es sûr? Je suis sûr. Je demande à ralenti. Info sûr, le rouge est sorti en premier. Arrêtez de jouer sa vie 5 minutes. Non, le rouge s'est envolé en premier, il me semble. Hein, vous me confirmez en régie que c'est la tête rouge qui s'est envolée en premier. Donc est-ce qu'on a ralenti? Est-ce qu'on a ralenti l'arbitrage vidéo, s'il vous plaît? Moi, je vous le dis, j'ai vu. En tout cas, c'est moi l'arbitre. J'ai vu la tête rouge sauter en premier. Oh, donc 1-0 pour Benzaï. Bon, donc c'est bien Benzaï qui marque le point. On est d'accord. 1-0. Attention. 3-2. 1. Ah, il a voulu bloquer. Il a tenté de bloquer, mais ça allait tellement vite, vitesse. Effectivement. La vitesse d'exécution, c'était net partout. Tu sais faire le chien? T'es le chien. Net. Tu cherches. Rappelle qu'on a tous 65 ans sur ce plateau. Ah, je m'amuse. 3, 2, 1, tu mets. Oh, le bug cerveau ici était malade. Je suis allé vite, on a bait. Et on a le point supplémentaire qui est pris par Bob 2-1. Quelle bataille. 3. 0. Non, je déconne, j'ai essayé de le... C'était pas... 2-1. Oh. Hadimé. Ah, bien joué, très, bravo. Très bien. Il a été concentré. Très fort. Là, il y a 2-2. Ça me régale. Je crois que c'est le meilleur opening de tout. Mais ça arrive tout le temps. C'est marrant parce que ça arrive tout le temps. Dès qu'on fait des jeux comme ça, ouais. On finit toujours à. C'est le dernier rang du dernier truc, du dernier. On rappelle que c'est un BO5. Obligatoire. Celui qui remporte ce round remporte 5 points. Et sa communauté sera heureuse. 3. 2. Je vais chercher un 1. Hadimé ! Oui ! Ah ! Bien joué ! Et Benzaï qui prend du blocage. Et regardez, il a bloqué du bout de rien. Du bout. Le mec, voilà, il a fait le punch. Je te fais le punch, je suis là avec le doigt. Regarde, le doigt. C'est du Wing Chun. Incroyable. C'est du Wing Chun, là. Tu m'as saucé. 3-2, vous pouvez aller vous remettre à vos places rapidement, effectivement. De merde. Et tu t'es bien battu, il n'y a rien à dire. Non, mais, genre, de toute façon, c'était sûr que Bob allait jouer sa vie, donc en fait, il fallait se surconcentrer. Mais ce n'est drôle que comme ça. C'est vrai. C'est très drôle, j'adore ce jeu, ça me régale. Mais il est craqué celui-là en soirée. Hein. Il est bien. Ouais, c'est le feu. Hein. Je ne pas faire la promotion, mais petit jeu à boire, ça peut aller très fun vite. Fun fact, jouez-y avec des gosses ou autres. Parce que c'est marrant, quand ils ont 12 piges, ils ont des réflexes de psychotiques. Et tu sais, nous, on est là en plein duel, on se met comme ça, et on est pas mal. Mais dernier moment. Mais comparativement à un gamin de 10-12 ans qui nous met 1000-0, là, c'est ça, on perdrait tout. On avait, mais on n'a pas le temps, on avait également un jeu de pichenette qui était très roulant. C'était la machine à points, mais avec une pichenette. Donc on mettait le truc et on devait faire le plus gros score en tapant. Ah ouais. C'était rigolo, j'ai préféré mettre celui-là parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir les jeux de rôle. On n'a pas le temps, les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, j'ai cru que tu avais pensé à un concours de claques, tu sais, on se tient debout. Là, on se met des lattes. Benzaï, du coup, qui remporte la victoire ici, ce qui lui fait 5 points supplémentaires. Il a soit un petit peu sa domination, mais tu vois que tu peux te rattraper à tout instant. Et surtout, toute la team Benzaï, qui était rentrée dans le tirage au sort au début, eh bien, il va y avoir le tirage pour remporter l'ultra collector de la mort qui tue du merch, que tu peux remontrer d'ailleurs le sac. Et également le t-shirt parce que effectivement ce n'est pas du tout dispo, le sac ne sera jamais dispo. Le t-shirt arrive bientôt, mais du coup il est... Si vous voulez je vous le personnaliserai un petit peu, on fera un truc cool, mais en tout cas, moi je vais laisser ça ici. Et franchement, je te le dis, il est magnifique, le design, je ne sais pas qui a fait ça, mais... Ouais. Alors c'est ChromaWare et c'est quelqu'un qui fait déjà des trucs pour des groupes de métal indé, et du coup je voulais quelqu'un qui fasse legit du métal en ILU pour que ce soit... Et que ce soit cohérent. Financez vos petits artistes locaux et faites confiance à des professionnels. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul en général. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir quand vous êtes dans des conventions, etc., les petits artistes, justement, et de les commissionner parce qu'en fait, ils savent faire. T'inquiète. Effectivement. Ils sont en train de préparer
Le deuxième round, il est très très simple. Vous avez combien de rounds? Ça fait trois fois que c'est le deuxième round. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième manche, non, le deuxième round, deuxième match. Mais là, on est à la manche 3. Deuxième round. Il y a trois rounds dans la manche 3. D'accord. Ah, oui, c'est comme ça. Vous avez une Switch chez vous tous les deux ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, effectivement, bien sûr. J'imagine. Bon, c'est du gamer aussi. Il n'y a pas si longtemps, Switch Sport, est sorti. Très sympa. Très bien. Switch Sport? Zéro, moi non plus. On a sorti un mec très énervé. Oui, il y a un coup de gueule. Les gars, on avait un bowling de zinzin sur Wii. Vous avez fait une merde pas possible. Enfin bref, j'ai pas envie de me fâcher avec Nintendo, mais franchement, le bowling m'a mis mal. De toute façon, par contre, Nintendo t'écoute pas, frère. C'est vrai qu'il est moins bien que le jeu qui a 20 ans. Enfin, exactement. Qui a 15 ans, quand même. C'est d'ailleurs qui a un top jeu vendu, puisque la fraude totale vendue avec toutes les, avec Wii, les consoles. Évidemment. Oui. Donc, bizarrement, Tetris aussi sur Game Boy, c'est bien vendu. C'est ça, étonnamment. Bravo, GG à lui en tout cas. Pour la Pilot Wings sur SNES, incroyable. Alors, un incontournable. Pilot Wings, waouh, les feels. Vous allez jouer très simplement à ce qu'on appelle le Shambara. C'est quoi le Shambara? C'est tout simplement le côté duel du jeu avec des sabres. Il y a trois types de sabres. C'est kendo un peu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un peu du kendo. Valide, valide. Sabre. Je valide là? Tu peux valider, t'appuies sur le bouton à droite. Donc on a le sabre simple, on a le double sabre et on a aussi ce qu'on appelle le sabre chargé. Bob, tu as malheureusement perdu le premier round, donc tu auras un malus uniquement pour la première manche. Je mets le power glove. Tu vas devoir jouer avec le gant de boxe la toute première manche. Et ce qu'on va devoir faire... Ah, vous ne pourrez pas faire les sabres, je vous le dis, c'est pas grave. On va faire un BO5 encore une fois. Vous allez faire sabre énergie, on reviendra, on verra là-dessus. Vous pouvez vous mettre ici et ici, vous allez jouer debout devant moi. Ah. Et mettez bien les dragons aussi. Oui, bien sûr. Car nous sommes des responsables, évidemment. Tu vas pas mettre la dragon avec ça, frère. La dragon, tu es gaucher Pour le coup. Jamais comment ta dragon. Je vais lui mettre. Attends, au secours. Attends, il y a un truc là. Non, attends, j'ai. T'es obligé. J'ai. Tu arrives. Des consignes de sécurité, voilà, très bien. Si vous avez. Sécurité. Vrai que mettre la dragon. Mais attends, mais avec la dragon, je peux pas atteindre des boutons. Non, voilà, le problème c'est que. Attends, pourquoi Il y a ça, je peux pas l'enlever. C'est tellement biaisé. Je peux pas atteindre le bouton, regarde ça. Si tu pourras, t'inquiète pas. T'as pas besoin du bouton pour la première manche. Ouais, je crois que c'est juste du ingouvernable. Faut que je fasse. Je valide là. Là, tu valides, vous prenez sabre tous les deux. Effectivement, avec le gant de boxe, tu ne pourras malheureusement pas, eh bien, faire de guerre. T'as réussi à sortir du même. Je peux pas. Attends, je vais le faire. Attends, c'est bon, j'ai trouvé des méthodes. Bon. Alors, tu veux sabre? Vous prenez tous les deux sabre normal. Attends, j'y vais. Non, c'est. Ah oui, c'est le haut, le vrai haut, ouais, d'accord. Sabre normal. T'appuies sur ZR. T'inquiète pas, c'est vraiment une manche, après tu l'enlèves. Hein. On n'est pas des sadiques. Non, mais il faut le tenir droit parce que. Parce que avec Z, celui du fond. Ah, pardon. Mais pourquoi du coup. Maintenant, tu mets avec le gant. Tu mets dans le gant, gars, comme ça. Regarde-moi, je vais te faire une dinguerie. Ah, mais je suis pas gaucher! T'es pas gaucher? Bah non. Eh bah oui, bah c'était. c'est pas grave, tu joues sur la gauche pour la première, ça me régale. Est-ce qu'on a le droit à tester les boutons ou. Y a pas de boutons, tu dois faire juste des mouvements, c'est tout. Ah pardon, je suis revenu. Il a réussi à sortir. Excuse-moi, je. Ah mais attends, le centre. Attends, c'est toi d'abord. Je crois que c'est moi qui suis en tuto là. Donc, c'est le tuto, quitte le tutoriel. Maintenez le jeu, connais. Ah, moi. Okay, en face de j'ai peur de prendre des coups. Les gars, quittez le tutoriel. Ah mais attends, je connais pas. T'as rien à faire. Okay, okay. Juste utilise ta main gauche pour frapper, c'est tout. D'accord. Tu n'as pas de bouton. Tu peux bloquer sur le côté un peu. Oui, mais il pourra pas bloquer parce qu'il a un gant, malheureusement, je vais pas te mentir. Et du coup, il faut pousser son adversaire tout simplement en dehors du ring. Mettez-vous devant, appuyez sur X, vous êtes calibré, c'est parti! C'est vraiment de l'escrime. C'est de l'escrime. C'est parti! Et ça attaque, ça attaque! Banzai qui est côté droit, si je dis pas de bêtises. Voilà, vache! Banzai qui vient enlever son adversaire. C'est bon, tu peux récupérer. Incroyable. Tu peux enlever le gant. Attends. C'est que pour la première. Comment on bloque? Tu restes appuyé sur le bouton A. Et ensuite, tu bouges comme ça. C'est tout. Il y a un seul. Ça change. Attends, ça lance là. Attends, mets la pause. Je suis en train de. Je vais mettre de ce côté-là. De base. Je regarde le chat. Et c'est A pour rebloquer Ouais, le ZR. Ah, ZR. Là, je bloque comme ça. Là, okay, bon, si tu tapes quand le mec bloque, tu fais stun. Voilà, comme ça, c'est du stun. Je vois. Medlai qui attaque directement sur ce one-shot de sabre, mesdames et messieurs. Il y a peut-être une remontada de Bob. On est à 1-0 pour l'instant. Ça pousse énormément. Bob, peut-être qu'il y a une légende de la frappe. Oh, ah, il se bloque. Ça va. Très beau bloc. Maintenant que je peux utiliser mon bras droit, ça va beaucoup mieux tout de suite. Effectivement, le malus est sorti. Ce parc aquatique a beaucoup trop de budget, en tout cas. C'est vrai, oui, j'avoue. J'ai l'impression qu'ils sont au Village Nature. Village Nature avec épreuve de Shambara. Donc, je rappelle, une fois que vous bloquez, hein, il faut taper littéralement dans la direction du bloc pour que ça passe à travers. Voilà, par exemple, là, il s'est bien fait avoir par Banzai. C'était très bien vu. Attention, on tape dans le bloc. On bloque derrière. Il faut frapper, effectivement. Il tape dans le bloc encore une fois. Oui, le bloc qui est mis.
Il va essayer d'enchaîner. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Non, ça ne bloquera pas. Il va se faire stun. Pour l'instant, bien on est plutôt sur une égalité. Double coup, ah, double bien coup. Joué. Bravo. Et Benzaï qui va chercher ce point. Premier point ici. Ah, c'est en combien? C'est en... Après, vous allez échanger. Vous allez faire deux duels, là. Okay, et ensuite, okay. Partirez sur le sabre chargé. Du coup, tu bloques, toi, en horizontal ou... Bah, donc, ça, ça dépend. Si vous voulez quitter, faites le sabre chargé tout de suite, pardon. Excusez-moi. Alors, donc, faites paramètres de match, j'imagine. Paramètres de match, voilà. Et vous prenez le sabre d'énergie. Ah, vas-y. Alors, sabre d'énergie, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. À chaque fois que vous bloquez, ça vous donne une jauge d'énergie. Ah, si vous avez trois jauges d'énergie, quand vous allez toucher le mec, il va aller très, très loin. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, c'est juste c'est pour varier les plaisirs. Pour l'instant, on est à 1-0. Et les coups, et si on a une égalité parfaite, eh bien, on fera une dernière... Une parade parfaite. C'est un peu la sucette par chargée, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment une sucette, quoi. Allez, c'est parti. Benzaï, on rappelle, est à droite. Bob, à gauche. Pour l'instant, Benzaï domine le serveur, comme on dit, dans le milieu. Ça se cherche, bien joué. Il charge et vous voyez, il a bien chargé ici. Il touche encore une fois un autre ami, Bob, qui va aller le chercher peut-être. Il a chargé à fond, lui. Ça va peut-être le one-shot. Bien joué, ça. Ça ne touchera pas, il faut qu'il touche. Et là, il touche. Aïe, 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 aïe. Ah, le coup chargé, pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit, il faut rester appuyé sur L pour l'activer. Ah bon? Parce que depuis tout à l'heure, on est plein, tu vois, mais... Non, normal, excusez-moi. Let's go, let's go. En fait, tu vois, là, ton sabre était totalement chargé, par exemple, Bob. Et du coup, si tu appuyais sur L en même temps, donc la gâchette, tout simplement, et que tu mettais un coup... Le bumper, tu veux dire? Ouais, le bumper, exactement. Là, tu délivrais littéralement toute ta puissance. Et ça part à la garde ou... Non, il peut parer avec la garde, par contre, ça envoie beaucoup de dégâts. Tu vois, là, t'as déjà un peu chargé, tu peux peut-être l'utiliser avec ton bouton L. Tu vas voir, là, avec le bouton L, si tu actives, tu l'envoies très loin. Humiliation, 2-0. Le plouf. C'est gagné. Ah, c'est en deux. Ouais. Donc, comme c'est terminé, maintenant, vous allez pouvoir faire la dernière. Vous retournez au paramètre. Regarde, vous... il y a encore un rond, non? Non, parce que vu que c'est 3, c'est, c'est en BO3. Ouais, du coup, vous faites les paramètres, et là, chacun, vu que vous avez pu tester les deux, bah, vous choisissez l'arme que vous voulez. Malheureusement, c'est vrai qu'on peut pas faire. Quel est l'intérêt du sabre par rapport au sabre d'énergie? Ah bah, bien sûr, l'intérêt du sabre normal, c'est l'humiliation. En fait, le sabre normal te permet d'aller plus vite, alors que le sabre d'énergie te permet de stacker. Et de taper moins vite en fait, moins rapidement. Ah, t'as pris le normal aussi. Ouais, ah, c'est double normal. Vas-y. C'est ça qui termine à l'ancienne. Et après, on aura le round 3 qui déterminera tout ça. J'ai même pas la dragonne, je suis ingouvernable. Cette épreuve vaut 10 points, donc concentrez-vous. La Bob, potentiellement 10 points, une remontada des enfers qui pourrait être proposée. Attends, c'est parti. Je me fais bait par le truc. Oh là là, attention, ça tape. Bob, voilà, qui va directement avoir avec cette garde. Est-ce qu'il va le chercher? Il faut taper dans la direction du sabre pour toucher. Il a réussi à changer de... Ouais, il a été bon. Et Bob qui prend tout l'avantage. Attention, directement une très belle garde. Derrière, on va les taper encore une fois. On se regarde un peu en chien de faïence des deux côtés. Très très belle garde qui a été mise de la part de Bob qui va chercher, qui tape bien comme il faut, malgré la garde, puisque la garde ne vous rend pas invincible. On rappelle, si vous tapez dans la direction du sabre, et eh bien vous touchez, c'est ce qu'il est en train de faire. Attention, on n'a pas donné son dernier mot, hein, directement du côté de Benzaï qui subit un petit peu pour l'instant. On est près du bord, il reste 9 secondes avant que le terrain se réduise. Il faut se dépêcher, on tape dans la barre, dans la garde encore une fois. Benzaï qui survit tant bien que mal, mais va-t-il réussir, messieurs dames? Égalité pour la première. C'est très bien. Les gars, vous nous proposez un scénario magnifique. C'est très beau. Très beau. En tout cas, mais jusqu'au dernier match. Ah, jusqu'au dernier match. On pourrait croire que c'est scripté, pourtant non. Toujours le drama. Avant, c'est Benzaï qui gagne à la fin. Vas-y. Aïe. Bob qui s'en est très très bien sorti pour l'instant. Mais... Voilà le bait, effectivement. Le truc, c'est pire que les cons de Jiraya sur le truc d'avant. Effectivement. Bob qui pour l'instant était devant, la garde qui a été mise aussi, Benzaï qui commence à prendre les devants ici, c'était plutôt bien fait, mais il va prendre deux coups consécutifs de la part du Pyro Barber, mais ça ne suffira pas, il a l'avantage le Bob de ce côté-là, mais il se fait un petit peu remonter parce que Benzaï n'a pas dit son dernier mot, et pour l'instant les gardes, ça se regarde en garde, ça tape dans la garde, et ça va chercher, attention ici, on lui rend l'appareil, est-ce qu'on va... On va avoir une deuxième égalité, ce serait assez fou mesdames et messieurs, ce serait du jamais vu dans cette émission, il faut quand même le dire, il reste 10 secondes, on est au pied du mur. On est au pied du mur, du côté de Benzaï. C'est fini. Et là, l'accident de dragon. Non. Du coup, ça compte comme si t'en avais déjà eu un. Je crois, alors je ne sais pas, je vais être honnête avec toi, il y a un monde où peut-être il a gagné. Et s'il a gagné, ce serait pas... Non, forcément. Parce qu'il a gagné. Toutes les chances sont offertes. Le scénario est juste dingue. Ah, j'y mets. Hop. C'est parti. Et là, c'est pour la victoire. La victoire de notre ami Bob serait hyper importante pour lui, nous permettrait de remonter. Il prend directement les devants. Il attaque notre ami Benzaï qui subit un petit peu, mais qui essaie de remonter. Attention, on tape directement dans la garde, on tape dans la garde du côté de Benzaï également. Et on reprend les devants, Benzaï qui étend les jambes, on est en danger, Ah, je suis mort. Benzaï. Bravo.
Benzaï du coup, est-ce qu'il y a une vraie égalité? C'est une égalité parfaite. C'est une égalité parfaite, mais du coup, tu gagnes au point avec. Ah non, regarde, une last. Il y a la dernière. Encore la last, last. Et la last des last est hyper importante. La belle des belles. Le scénario. Ah, et oui, mais c'est la dernière. J'y mets. Qui se réduit. Non. J'ai mis la pause. J'ai appuyé sur le. Ok. On a un problème HDMI. Oh, attendez. Non. Attention. Je le remets. Remets-le. Et tu redonnes le signal. Je redonnerai le 3, 2, 1. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. 3, 2, 1. Hajime. Oui, c'est lui qui dit. Hajime. Non. J'ai attaqué. Un mec ici. Brave Jean. C'est l'escroquerie. L'escroquerie la plus. J'aime bien. On attend le compte à de Jiraya, mais je dis Hajime. Et le mec est en train de taper. Y a pas d'honneur pour les morts. C'est moi qui dis Hajime, bizarrement. Alors que c'est moi qui demande. J'ai l'impression que la douille était totale, mais peut-être que pour le scénario, ça nous arrange. Vous remarquez que malgré cette tricherie incroyable, ici à Prime Video, ouais, nous sommes favorisés. Rappelez-vous que si vous trichez au bac, vous êtes banni de tout examen pendant 5 ans. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, il y avait 25 à 17. Elia, il a 27 à 25, si mes comptes sont bons. Puisqu'on a une remontada. On peut faire ça avec la main. Frauduleuse. Frauduleuse. J'adore. Il y a de la fraude. Il y a de la fraude. Mais c'est aussi ce qu'on aime. De toute façon, cette fraude, qu'elle soit là ou pas, tout va se jouer. Fraude et prod. Dernier round de le round 3 ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ils vont le préparer vite fait. Je ne sais pas si tu as besoin d'une manette. Peut-être. Non, it's good. Puisque le dernier round, c'est du Street Fighter. Ah, c'est de l'Ultra Street Fighter 2, la version la plus dégueulasse. On vous laisse doser à Street à la fin, c'était pour ça. Bien sûr, bien sûr. Alors préparez-vous, je pense que vous n'êtes pas prêt pour Street Fighter. Non. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que vous. Surtout avec une manette là, de mini-pouce, ça va le faire. Exactement, vous avez une manette Dreamcast. Au Joy-Con, effectivement. Bah tiens, vas-y, tu peux appuyer sur A, ils vont mettre la cartouche du jeu et on sera bien. On joue à la cartouche. Il y a la cartouche 20-25 pour c'est impossible. Tu l'as pas DDL. C'est impossible, je vous le dis. Alors, il y avait 17-20, il a gagné le jeu des têtes, donc il était à 25. Et du coup, bah, maintenant, il y a 10 points pour notre ami Bob. Donc, avec, forcément, 17, comme d'habitude, un potentiel fraudeur. Ça, c'est du setup arcade perfect. Exactement. Vous rigolez, mais je sais pas si vous êtes des joueurs Smash, mais il y a un joueur très chaud qui joue avec cette merde. Mais pas à Street. Ouais, mais non, pas à Street. Un joueur qui joue à Ultra Street Fighter 4 avec les bongos de Donkey Kong aussi, si tu veux. Ce serait beau. Non, mais il est en tournoi. Ah, il y a vraiment ça? Ouais, d'accord. Okay, bon, bah, après, un des meilleurs joueurs de Street 5 est aveugle. Après, on n'a plus d'excuses, tu vois. Ah non, mais c'est vrai, hein, pour de vrai, je te jure. Après, il a gagné avec Il a même tué Genius. Ah ouais, non, bien sûr. Effectivement, je crois qu'il a même tué Genius. Et Genius a dit j'ai joué mon meilleur match et il m'a défoncé. Il t'a défoncé. Ouais, après, Luffy avait gagné l'Evo avec une manette de PS1. Oui, bien sûr. Une plague en plus, même pas une plague. Exactement. Alors d'ailleurs, je suis allé au bar de Luffy et il y a sa manette qui trône au-dessus de la table. La fierté nationale. En fait, c'est que si tu dis vas-y, on se fait un petit Street 5, il va pas jouer avec le stick. Il va sortir sa manette pour se bourrer. Parce qu'il faudrait pas non plus qu'il perde un. Alors, Street Ultra, le 2, ça part en versus. Merde, pardon, de toute façon, il n'y a pas de Ultra. Merde, excusez-moi, je suis tombé de bouton, en fait, ça change. Pas de galère. Ça joue quoi d'ailleurs? Ça joue quoi ici? Alors, moi j'ai un Sagat sur 2X, hein. Je crois que tu as un clos dégueulasse. Un Sagat? Un bon Sagat. Sur un Sagat? Bah, c'est bon. Vous appuyez sur le bouton à droite. Ça y est bien. Ok, effectivement. Moi, j'ai un petit Sagat sur. Est-ce qu'on a un button check? Est-ce qu'il y a vraiment les bumpers? Ça va être sur les bumpers, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a Akuma débloqué dès le début. Ville Ryu, il y a Violent Ken. C'est vrai qu'il y a Violent Ken qui est le nouveau perso de ce jeu-là. On va vous laisser jouer la première game. Alors, là, c'est du BO3. Et ensuite, celui qui gagne, gagne un point. Ça va être un fake de jouer Vega Sagat. Et il y aura un autre personnage. Je vais détester ça. Mettez-vous un petit peu là pour les cams. Attends, je vais mettre ça. Recule-toi un petit peu, Bob, s'il te plaît. Bien sûr. Un tout petit peu. Ouais. Et pareil pour mon ami Benzaï. Voilà, mets-toi. Là, c'est pour les cams. On est super. Voilà, comme ça, moi, je vois au milieu. Sprite inquiète de super Sprite. Allez, c'est parti. HD Remix. C'est le premier. Attends, il est où le Gail, là. Il est où? Il est là, à côté du. Oui, pardon, ici, moi, je voyais pas. Stage Guile. Meilleure musique, bien sûr. Donc là, c'est le premier match. En... Attends. Button select, je veux savoir si c'est bumper gauche ou droit pour gros pied ou gros. Attends, je recule. Check, regarde un petit peu. Ok, c'est bon, j'ai mes coups. Allez, c'est parti. C'est dégueulasse. On rappelle que ce sera donc un BO3. Messieurs, dames. Bien joué. Ce sera. Alors attention, le petit saut, petit pied, en général, Bob n'aime pas. Ah, bien joué. Oh là là, la chope directement. On va passer au-dessus. Beaucoup de jeux aériens, évidemment, du côté de Vega. Attention, on a sauté. Bien joué, ça. Notre ami Sagat qui met des gros high kicks. Ah non,
dans les airs. Est-ce qu'on va pouvoir terminer horrible. La double touche. Exactement. Alors, faut savoir que ma stratégie n'est jamais en général de spammer saut petit pied, mais avec Saga contre Vega, c'est encore ce qui marche le mieux. Effectivement. Et pour l'instant, petit avantage du côté du Sagat de Benzaï. Ouais, mais il va vite bait des trucs dégueulasses, voilà. Attention. Allez, oh là là là, c'est magnifique, c'est en train de produire. Mais est-ce qu'on peut avoir une remontada complètement zinzin du côté du Sagat de Benzaï? Ce serait assez fou. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Allez, bien sûr, le gros pied, ça ne passe pas en full screen. Combien de fois je te l'ai fait, ça? Voilà, je crois qu'il y a une dinguerie qui se passe de ce côté-là. C'est pas quand même l'happening qui arrive, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a une dinguerie. Mesdames et messieurs, je crois qu'on a du Street Fighter IRL et qui va gêner un petit peu nos joueurs qui vont avoir du mal à jouer avec peut-être des gens au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu. Ah bien joué. L'happening est dingue. Il a bien eu. Et vous devez rematch, lance le rematch, Bob, directement. Rematch, 1-0, 1-0, pardon, comme vous allez jouer avec des catcheurs devant vous. Restons concentrés. Ouais, j'ai entendu, Ah, claquage, encore une fois. Je sais pas si vous entendez, ça fait si mal. La souffrance, absolument magnifique. Ils essayent de jouer malgré le spectacle. Essaye de faire ça dans ton jeu. Excusez-moi, est-ce que c'est bon sport? Alors que Bob, let's go! Bob a l'air très heureux! Contre-attaque! Arrache-lui les poils! Fais quelque chose! Mais je l'ai dit. Oui, bah, il l'a dit. Oui, non, il l'a dit. Faut continuer. Le coup dans les couilles. Ce n'est pas comme la spécialité. Il me casse les jambes, Alors, attendez. Qui est dans mon équipe, en fait? Vega contre Sagat. Alors, qu'on le vit également en direct. Rémi Sério qui se fait laver alors qu'on le pensait pas le pied. Le pied sur la main. Là non. Casse la tasse. Yes. Et Sagat qui prend le point pendant que ça claque. Arrêtez de jouer, concentrez-vous. Et le dernier combat, peut-être pour la victoire. D'ailleurs j'annonce, le perdant entre nous deux, il aura une chance. Une chope qui chope proposée. Let's go. Au perdant, il va falloir se concentrer. Et pour l'instant, c'est Benzaï qui domine. Benzaï qui va tout donner pour pas prendre la chope. Ah putain, je peux pas sauter, je vais pas mon écran. Qui veut gagner, qui va rouler. Benzaï qui veut pas prendre de chope. J'ai pas envie de prendre de chope. Par contre, ça met des vrais tatanes, frérot. J'ai l'impression de retrouver des ambiances un peu bizarres. Ça tape. C'est pas mais ça a été dégueulasse. Let's go. Ça n'a été que des balayettes. Des balayettes et des balayettes. C'est bon ça. Qui est au milieu? Oh non. Qui le tient? Pour ça. Je tiens. Assassine-le. J'ai parié mon argent sur lui. Oh, César, s'il te plaît. Arrêtez. C'est moi le putain. À plat. C'est moi la tortue. À plat. Ça va? Benzaï qui a tout donné, ce sont des professionnels. Et je crois qu'il y a un partout. Il va falloir se départager. Encore? Bah oui. Ah oui, mais tu reprends, toi, bah oui, direct. Bah oui. D'accord. Je rappelle que... Ah oui, bien sûr, ça ne joue que chope ici. Il y a un partout, ne vous inquiétez pas en régie. Là, c'est le match qui va tout déterminer. Qui prendra la chope de Benzaï ou de Bob juste après le happening et d'Aïk Benzaï qui est concentré comme jamais, tandis que vous pouvez avoir un vrai combat devant vos yeux ébahis. C'est la WWE SmackDown. Ah, bien joué. Yeux, attention, le Vega, il va pas faire du tout. On est à deux doigts, il va les choper. Ouais, la relever. C'est pas fini. La balle de match est là. La balle de match est là. Je suis le matos. Pas la tête, quand même. C'est très dur de jouer. J'ai pas vu faire Benzaï et Bob. Tu vas la voir les écrans. J'avoue. Attention, qu'est-ce qu'il vient? Il se tient sur Benzaï.
pour peut-être se déconcentrer. Banzai, tu vas peut-être faire aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Tiens, présentateur. Tiens, 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 c'est la dernière rencontre, peut-être, mesdames et messieurs, peut-être, messieurs, le saga de Banzai qui peut le faire face à Vega pour la chape. Oh là là, putain. Attention, ouh, attention, la remontada. Ouh, ah, oui, oui, Bob, ah, il va prendre sa chape. La chape sera sur Bob. Je te le non, il a perdu. La chape sera sur Bob. Oh, les amis, oh, les amis. Fais ce que tu as à faire, j'ai déjà gagné. C'est lui qui a perdu. Ah, j'ai perdu l'argent, on a perdu le pari, on a tout perdu. Ah, merde. On a tout perdu. Je sais, ouais, je sais. Tiens, Bob, tu peux me le donner. Tu as deux heures parce qu'il parlait beaucoup. Ah, gars, je sais. Hein, ah, tiens, voilà. C'est fou, c'est bon, j'ai tout, j'ai tout. Allez, c'est parti. Alors, oui, je vais en quoi régaler, ça consiste, quoi. Cette shop? Déjà, attendez, avant qu'on fasse la shop, venez à côté de moi, parce que là, c'était fou. Prends un peu. Ah, oui, c'est vrai. Franchement, on bravo. On peut applaudir, quel happening. Quel happening de zinzin. Je sais pas, j'ai mal. Alors, on peut les applaudir aussi dans le chat. Courant et Senza, si je dis pas. Bravo, les mecs. Le bêtise, évidemment. Ah, pas côté ah, j'ai frappé fort. Je suis désolé, bravo, j'ai tout donné. J'étais là, j'étais là. En tout cas, mon cher Ben, est-ce qu'on reconnaîtra que notre gameplay était dégueulasse? Il s'assoit. Senza, c'est attends, ça j'ai de l'eau. Exactement. Tu m'as tenu. J'étais tenu. J'avais pas le choix. C'est pour le lore, j'avais pas le choix. Pété c'est la tasse. Avant. Ils ont pété la tasse. Pété la tasse. C'est ce qu'on aime. Senza. Quelle tasse. Senza, c'est pas celle à Ben, ouais. Senza. C'est Senza. C'est Senza, c'est Kuro, je ne sais pas. Laquelle Kuro? Ah, vous avez filmé, vous avez vu, c'est Senza. On aura la VAR. On aura la VAR. Arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Senza. Comment ça s'est passé? C'était long. Ouais. Hein, référence par-ci, référence par-là. Ah, ça c'est lui. Ah. Ça c'est lui. Effectivement. Tu peux pas me dire ça, tu vas me tuer, mais sois au moins honnête. Voilà. Il faut. Courant, comment ça s'est passé ce combat? Je t'ai vu beaucoup souffrir. Non, n'importe quoi. T'es sûr de toi? C'est vrai, gars. Il peut pas nous la faire. Kuro et Senza, on peut les applaudir dans le chat. Ah, les amis, je vous laisse vous présenter c'est beau, peu, évidemment, parce que l'happening, on l'a gardé très très secret. Ça. C'est très très drôle. Et bien sûr qu'on va faire la chope en régie, ne vous inquiétez pas, il est prêt, il est chaud. C'est qu'en fait, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, mais il y a vraiment des mecs en train de se taper dehors. Le but, c'est que vous étiez pas que soyez ah ouais, non, mais... que ce soit le plus réaliste possible. C'est en live, ouais. C'est normal. J'ai croisé, il est devenu fou. J'ai un petit message pour le ceux chat. Qui regardent. Exactement. Est-ce que vous voulez voir ce monsieur recevoir également ah, je peux pas, là je travaille. Ouais, on appelle ça les risques du métier. C'est la fin de soirée, tu peux. Enfin, c'est vrai. Tu peux. Non, c'est fait exprès. Enfin, je l'ai perdu, c'était pas fait exprès, c'est pour passer. Ok, avant qu'on fasse la shop du coup. Vous pouvez vous présenter un petit peu. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites, Kuro? Je commence avec toi. Non, on commence avec lui là. Ouais, on est en perdant, non? Allez, on est en perdant. Ouais, ok. Ça va être tout. Du coup, on a un petit niveau. Kuro, 23 ans, catcheur à l'APC à Nanterre. Okay. On a un show dimanche si vous voulez venir, vous inquiétez pas. Commercial. Vous donnez mon rien. Hein. Non, je rigole. Mais du coup, catcheur depuis 5 ans. À côté de ça, bah, formation pour être éducateur spécialisé. Ok. Chez les maternelles. Leur apprendre les tombstones dès l'âge de 3 ans, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, je fais ça, c'est ma passion du coup. J'espère que ça puisse devenir un métier. Et voilà, bon, là j'étais passé comme ça par visite de courtoisie jusqu'à ce que je croise la brute. Ça, on a trouvé ça abusé aussi. Donc voilà. Cette explosion de violence, ça n'avait aucun sens. Senza, de ton côté, pareil, par hasard. Moi, c'est Senza, meilleur que Kuro. plus de 23 ans. Ouais. un peu plus de barbe. C'est pas fumé, non, il a fait tomber. Ouais, je vais tomber là. C'est la mienne. C'est la mienne. Casse pas les couilles.
Mais perso à shop. Hein, catcheur professionnel depuis maintenant 7-8 ans. Ok. Ouais. Au niveau européen. Du coup, à la vache. Le week-end, je voyage assez par avion pour me produire un peu partout en Europe. Mmh. Voilà, génial. Ça régale. Pas lui. Pas lui. Pas encore. Voilà. Peut-être, on verra. Ok, on a les infos, les amis. Et maintenant, vous le savez, c'est l'heure de la shop. Bob, est-ce que tu veux te prêter au jeu? Bien sûr. Ah, là, je vais. Et moi, je le ferai aussi, puisque le chat a dit oui. Donc, on va commencer par Bob, directement. Au centre. Au centre. Et on va voir. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer vite fait en quoi ça consiste une shop? Genre, est-ce que la régie peut me confirmer que si je pète le micro, c'est pas de ma faute? Oui, c'est pas de ta faute. Mais très bien. Ça, c'est pas sûr, tu vois, à ce point près. En quoi consiste une shop? Du coup, à découper l'adversaire, mais vraiment. Vous avez peut-être entendu le terme atémi. Oui. Un atémi. Un atémi, tout simplement. Ok. Ça fait au niveau du torse. Enfin, qui peut se faire partout. Oui. Bonsoir. Ok. Est-ce que je pousse mon micro? Ouais, ce serait mieux. Sinon, pas que tu vois. C'est ça, exactement. La chope. Mais du coup, je sais pas si on t'a dit, mais on est deux catcheurs. Moi, j'attendais mon tour. Hein. Moi, je me laisse choper tant que tu veux, si tu veux. Tu te laisses choper. On va choper. Je me laisse choper. Ah, il a perdu. J'ai perdu face à Benza et c'est la preuve que je suis un perso gratuit. Tu disais, moi, je croyais vraiment que c'était des mecs qui se savataient et tout ça. Sincèrement, si ça avait été vraiment le cas, vraiment des gens qui se battent ici au duel, j'en aurais profité de la stupeur de Benza et de voir des mecs qui se savataient pour gagner le match. Alors qu'il n'a pas réussi. C'est le mec qui voit toujours l'objectif, tu vois. Toujours la fond. Mets ton micro à côté. Voilà. Et puis c'est parti, on chope là. Ça part en chope. Qui commence? Où est-ce que je fous le micro? Le perdant. Allez. Où est-ce que je fous? Mets-le sur la table sinon. T'enlèves le HF. Hop, magie. Attends. Ouais, mets-le sur la table. Attendez, je vais faire le. Enfin, je crois que ça. Vas-y, passe derrière moi. Hein, on sait jamais ce qui se passe. Vas-y, gars. En tout cas, ça se voit que les mecs se donnent à fond parce que là, ils sont cuisants. Moi, je peux dire oui. On m'a dit tiens-le, je glissais. Hein. Je peux dire, j'étais en séance de massage. Waouh, le corps de Zinzin. Bien sûr. Ah d'accord, ok. L'abonnée est totale. Bien vendu. Tant que je garde le slip, je veux dire au revoir à quelqu'un en particulier que... Non, je... L'auteur du live. Ah, c'est bon, vas-y. Bob. Mais attends, mais là, il va pas se casser la tête sur le truc. Mais non, mais il va pas lui exploser sa mère. il a perdu, merde, enculé-le. Ah, merde, du sang. Défoncez-le. Tout est dans le stand. Ça aurait été toi à la place, j'aurais délecté. Oui, bien sûr. Ah, mais là, je sirote. Sors ta cage thoracique. Voilà, sans les pecs. Voilà. Je décale un peu. Sans les pecs. Ok. Sans les pecs. C'est sorti, là. Oh non, c'est pas gentil. C'est pas notre métier, on est streamer. Youtubeur. 2, 1, non, je rigole pas. C'est parti. Wouah. Alors, on compte 5, 4, 3, 2, 1. Tiens, attends-toi à la caméra. La deuxième. Ah, la petite décalco. Non, c'est juste pour voir la trace de la main. Ouais, en plus, je marque. Ouais, comment ça se... Du coup, ça, c'est genre quoi? Un move basique dans le cadre, je vais faire ça? Basique, je sais pas, parce que c'est vraiment mortel. Ça craque. La dernière fois que j'ai pris une claque aussi puissante, quelque part ou autre, c'était mon daron et c'était ma tronche. Mais je devais avoir... Le nouveau daron. Ouais, je devais avoir... C'est moi le nouveau daron, voilà. J'ai envie de t'appeler Dali. Effectivement. En fait, c'est plus surprenant que douloureux, si tu veux. Bah oui, ça claque, en fait. Regarde ça. Attends, on voit. Il y a les 5 doigts. C'est une empreinte digitale, si tu veux. Voilà. C'est la police. Il débrouille mon téléphone avec son torse. C'est ça. Là, tu me verses du plâtre dessus. T'as un moulage de ta main. Direct, ça va dire. Les amis. Du coup, pour avoir notre angle. Ah, dans le dos? Non, gars, on va pas te décoller les poumons. Faut pas l'assassiner non plus en live. On a parlé un peu. Comment ça, dans le dos? Non, attends. Non, changez d'angle. Et on te rappelle, Bob, rien n'est obligé. Si tu veux arrêter là, tu arrêtes là. Il n'a pas le choix. Pour les enfants. Il a toujours le choix. Alors, je confirme que personne n'a signé pour ça. Avant effectivement, d'arriver là. Ça, c'est au bon vouloir. Hein. Et moi, c'est pour ça que j'ai laissé passer Bob devant et du coup, je suis plus très chaud. Je regarde d'ici là. J'en prends. J'en ai commandé une aussi. Non, je crois pas. Non. J'ai gagné. Hein, oh, bah oui, toi, t'as gagné. Toi. J'ai gagné aux questions, c'est j'ai bon. Gagné à Street Fighter. T'as tout gagné, toi. Il a gagné à Wii Sport, on s'en bat les couilles. Allez. Ouais. Tranquille. Non, mais gars. Oh. Ouah, j'ai vu du. Ah. J'ai vu de la poussière ce soir. Pour le... C'était ma sueur. Ah, d'accord. Eh bien, voilà. Vachement moins giflé. Ok. Avec... C'est la même sensation que t'as quand t'es en 6ème, si tu veux. Ouais. Et que tu sais, tu joues au handball.
et t'as le prof oui. de sport de 35 ans qui est musculé comme ça, qui te fait un putain de tir et que toi t'es dans. Voilà, en fait, c'est la même sensation que quand t'es en 6ème. Il parle tout seul. Quand t'es en 6ème et tu sais que t'es dans les cages au handball, ouais. tu vois, t'as 11 ans et demi okay. si tu veux, voilà. Et là, t'as le prof de sport qui a 35 piges, qui a des bras comme des cuisses, tu veux, qui balance un putain de tir sauté dans et, la chambre. Et tu les gardes, je le prends et tu le prends en plein torse. Et ça fait. Ça fait et ça, et c'est ça pour prouver. Ça te fait littéralement reculer 5 cm. Que c'est pas que du chiquet, le gars, le catch, etc. Par contre, c'est pas une vanne, je veux prouver que c'est vrai. On me dit en régie, faut qu'on arrête là. C'est pas vraiment pas une. Donc, faut qu'on arrête là la chope. Moi, ça me va très très bien. Mais. Eh, gars, je te promets qu'en régie sur mode I beg you. Non, mais. Je suis désolé. C'est pas une vanne. Je te jure que c'est pas une vanne. Je te jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Là, ils disent rien, mais c'est pas une vanne. C'est, je vous jure. C'est trop dur sur la tête de ma fille que la régie me dit, faut qu'on arrête là. C'est pas une vanne. Gars, j'en passe sur la tête de ma fille. Tu peux remettre le t-shirt. Merci, je suis pas catcheur professionnel. Oui, c'est vrai, effectivement. Non, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Jiraya, est-ce que je peux te dire, d'ailleurs, en passant un big up à notre ami commun, Manuel Ferrara, que oui. j'ai beau avoir streamé au salon de l'érotisme du monde à Las Vegas et j'ai jamais streamé entouré d'autant de tétons. Exactement. Et de corps de rêve. Et de corps de rêve et de corps huileux, effectivement. Ils sont très bien galbés, effectivement. Effectivement. Bob, tu n'as pas de micro, on ne t'entend pas. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va couper là. Non, mais je sais, c'est vrai, c'est pas. Mais ce qui est ouais. surprenant, attends, ce qui est surprenant, c'est que je comprends ce que dit Krilin dans DBZ quand il se prend un coup par Cell et qu'il est là. Ok, il m'a peut-être mis KO, mais j'ai compris à quel point il était fort. J'ai compris à quel point il s'était retenu. Ouais, exactement. Par respect. Un million. Les amis, ainsi s'achève le duel. Déjà, je voudrais vous remercier énormément pour cet happening. Ouais, bravo. On va pas se mentir. Vraiment, vraiment. Et on pourra le faire en off. Viens là qu'on le voit bien sur le plan. Effectivement, on va afficher les gagnants des jeux qui sont là. Sibi pour les deux places de la TwitchCon à Amsterdam. Effectivement, bravo à toi pour les cadeaux. Ça a été tiré au sort. Effectivement, il y aura pour Bob de la team Bob et pour Benzaï de la team Benzaï. Pardon. Merci à tous d'avoir suivi le duel. Les gens de la team gagnent quand même. Oui, les gens gagnent quand même. Ah, parce que j'allais lui donner la hache. Il méritait, effectivement. On se laisse ici, messieurs, dames. Merci d'avoir suivi le duel, c'était le dernier avant la rentrée, effectivement, puisqu'après c'est les vacances, vous le savez, je vous souhaite de belles vacances à tous. Merci beaucoup Benzaï et Bob d'avoir accepté l'invitation. Non, on a beaucoup de poils qui débarquent à la fin du duel. Eh ben gars, c'est la première fois, on a testé avec. Ah oui, d'accord. C'est peut-être un happening. Bienvenue sur Prime Video. Je ne sais pas. Des bisous tout le monde, passez une agréable soirée, à très bientôt. Bye bye. Ciao. Bisous. Ouh.